Bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue. On se retrouve donc pour une nouvelle soirée découverte. Une soirée découverte sur un MMORPG, mais toujours une soirée découverte donc sur du JRPG. Le MMORPG du nom de Temtem. Alors certains ne connaissent peut-être pas cette licence qui est sortie il y a 2 ans, si je ne me trompe. Il y avait un accès un petit peu plus tôt, je crois que c'est bien il y a 2 ans maintenant. Au pire 3, je dirais. C'est donc un MMORPG sur, on va dire, à la sauce Pokémon. Et donc je voulais vous faire découvrir ce jeu, comme je vais continuer à vous faire découvrir d'autres petits jeux, d'autres petites perles du JRPG. Car on joue en Kaistara qui est un JRPG, mais c'est bien de connaître les autres bases, et vous allez voir qu'il y a des jeux qui sont vraiment incroyables. J'avais une autre idée en tête, je voulais le sortir prochainement celui-ci, mais je me suis dit, l'actualité parle énormément de Pokémon, on est à fond sur Palworld, et donc l'ennemi de Pokémon en ce moment, si je puis dire. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir ce fameux Temtem et de vous le présenter. Alors avant toute chose, ce que je vous propose, c'est de découvrir le trailer de l'époque. Il nous avait fait un trailer animé, donc pas avec les images du jeu, mais vraiment un dessin animé qu'il nous avait fait pour la sortie du jeu. Et je vous montrerai après le trailer de lancement sur PlayStation, parce que le jeu est sorti sur toutes les plateformes, même sur la Switch, et oui, sur la console qui possède Pokémon, il y a ce jeu, et donc un MMORPG. Il me semble que ça date 3 ans, mais en accès anticipé, et je crois que c'est vraiment 2 ans au final. Mais le jeu s'est développé petit à petit, il y avait plein de mises à jour. Là, on a eu la saison 5 qui est sortie il y a 3 mois. La saison 6 arrive bientôt. Donc ça continue à se mettre à jour, c'est le principe d'un MMORPG. Donc je vous laisse découvrir ce petit trailer qui était sympathique à l'époque. C'était assez dingue à l'époque. Ils avaient fait pour leur jeu, un jeu, si je ne me trompe, qui était sorti en crowdfunding. Donc, il a été développé en fait par un studio espagnol qui s'appelle Crema. Donc, c'était leur premier vraiment gros jeu. Édité par Humble Bundle. Donc, ça, c'est une société qui fait plusieurs jeux comme ça de ce type. Donc, il était sorti en effet, voilà, en accès anticipé via stream le 21 janvier 2020. Donc, ouais, non, ça va même faire les 4 ans là, du coup. Mais c'est un accès anticipé. PlayStation 5, c'était le 8 décembre 2020. Donc, il va en fin d'année, on va dire 2021 au final. Après, en 2022, sur les plateformes Xbox et Nintendo Switch. Oui, il n'est pas vieux pour ces plateformes-là. C'est vrai qu'il commence un petit peu à dater. Donc, c'est un jeu qui était vraiment intéressant. C'était MMORPG, qu'on rêvait tous de l'aventure Pokémon à plusieurs. Donc, on fait notre aventure. On peut partager l'aventure à deux. Il y a des choses intéressantes que je vais vous montrer petit à petit. Et donc, c'était surtout un jeu qui était avec un financement participatif Kickstarter. Apparemment, il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires sur PC, ce qui est bien. Bon, quand on veut Palworld, il l'a éclaté, Palworld. Mais à l'époque, si vous vous rappelez ce qui existait sur Pokémon, c'était pas la même chose. Si on se remet en 2020, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui est sorti en Pokémon en 2020. 2020 Pokémon, je crois qu'on était à Oripe. Non, on était à XY, je ne suis pas sûr. Pokémon 2020. On peut le trouver ça sur Google. Des choses, l'année 2020 Pokémon. Non, c'était les îles, là, comment ça s'appelait déjà celui-ci. Zut. C'était après XY, justement. C'était les îles d'Aloha. J'ai plus le nom de celui-ci. Et. Je sais plus. Je sais plus du tout le Pokémon que c'était. Mais ça date un petit peu, quoi. Ça fait quelques années. Est-ce qu'ils ont mis résultat des années de la Pokémon 2020? Ouais, voilà. Ils mettent exactement. Qui était sorti à l'époque. Non, c'est les classements des trucs. Une compagnie. Putain, mais il s'appelait comment déjà ce Pokémon? Il y en a qui ont le nom, n'hésitez pas. Sun and Moon, ouais, c'était ça, voilà, Sun and Moon. Soleil et Lune. Donc ça date. À l'époque, rappelez-vous la 3D que c'était. C'était pas pareil. Hein. Si je mets
Pokémon Soleil et Lune, vous allez voir que c'était pas du tout pareil. À l'époque, on faisait ça, donc sortir un MMO. Bon, on va prendre une vidéo de... Je vais pas prendre quelqu'un non plus que ça pose problème. Voilà, Pokémon Trash, c'est les plus connus, on va dire. Yo les Trashers, ils sont surpuissants. On a une image au moins du jeu. Non, même pas. On va faire trailer, ce sera plus simple. Voilà. Bande annonce légendaire de Nintendo 3DS. Voilà ce qui se faisait sur 3DS à l'époque. Bon, ça, c'est pas dans le jeu. Hein. voilà le jeu. Eh, c'était pas pareil. Hein. Bah, moi, c'est une petite console, mais bon, quand même pas le même délire. Pour moi, c'est le pire qu'ils aient sorti, de toute façon. Et donc, ils nous avaient sorti Temtem. Alors, je vais vous montrer un petit peu d'autres choses. Hop, juste avant, je vais vous montrer une autre vidéo. Celle-ci, donc ça, c'est la vidéo de lancement sur PS5. Il y a un an apparemment. Ils ont fait une petite cinématique aussi pour le lancer, donc elle est assez sympa, je voulais au moins vous la montrer avant de terminer et qu'on se lance dans le jeu. Et puis les boucliers, c'est novembre 2019, maintenant c'est pas possible, et puis les boucliers c'est après. C'est XY, Sun and Moon, et puis les boucliers. Et les deux derniers là, violet, je sais plus quoi, truc écarlate là. Bon après il y a les refontes, Omega et compagnie. Oui, on peut avoir des costumes, on peut déguiser son personnage. On peut jouer à plusieurs, comme je le disais, vous verrez. On peut faire une team à deux et avancer dans l'histoire à deux. On voit d'autres joueurs, on peut faire des échanges. Et on a du housing. On peut faire sa maison et la compléter avec des objets qu'on récupère. Donc voilà, vous voyez un peu diverses créatures et divers champions. Alors comme c'est un studio espagnol, c'est un style, moi je trouve, qui fait vraiment très coloré, mais qui fait vraiment dans le style de design espagnol. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça casse avec le style traditionnel un peu manga, ça amène sa petite patte graphique à eux. Ah, les animés, ça vaut pas quand même les dessins animés de Pokémon, hein, clairement, mais... Tout ça délire pour un petit jeu. C'est quand même un jeu Kickstarter. Hein. Kickstarter, pardon, je dis toujours Quick. Novembre bah 2016. Pourtant, tu as eu marqué 2020 sur le truc classement. Comme quoi. Eh oui, Lunest. L'ami Blue, pardon. On n'est pas sur Palworld, justement. C'est pour montrer autre chose qui existe. Et qui, pour moi, était le vrai truc qu'on aurait pu dire, qui aurait un peu basculé ou mis un coup de pied dans le fourmilière de Pokémon. Il y en a un autre. Je pense que je vous le présenterai la semaine prochaine. Mais là, c'est un jeu solo. Donc, je vais vous montrer ça et mes mots. Juste avant, je vais quand même faire la promo de deux personnes, enfin, de deux choses qui sont intéressantes. Le Temtem France fan site, c'est un fan site qui a été créé à la sortie du jeu, et déjà qu'on était donc en early access, où il y a tous les Pokémon, donc il y a un Temtem Dex, comme un Pokédex, quoi. Vous pouvez retrouver donc toutes les bestioles avec les sorts et tout ça, donc c'est super intéressant. Regardez de côté, ça pour nous servir. Et une personne qui fait des contenus, parce que j'en ai connu pas mal qui fait des contenus, lui a continué à faire des contenus, il en parle toujours des actualités, les tournois, parce qu'il y a des tournois, il y avait des tournois compétitifs avec des sommes à gagner. Donc maintenant, ils vont arrêter de mettre des sommes, ça va être juste des tournois classiques. Mais voilà, cette personne, Kenka, qui est aussi sur Twitter, sur Twitch, pardon. D'ailleurs, il a fait un live ce soir, mais il fait un party game, donc un Mario Kart. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, parce que si vous voulez vous renseigner sur le jeu, là, vous avez des vraies références, et au moins, ils continuent à suivre le jeu, pas comme ceux du début, qui, on va dire, sont restés un an sur le jeu et ont arrêté, quoi. C'est ce qui arrive avec la dure loi d'Internet, malheureusement. Donc voilà un petit peu pour Temtem. On aura tout vu, donc je ferme ça, je vais garder les deux autres choses de côté, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin. On va partir sur le jeu. Alors, je remets le son. Hop, désactive la musique en short du menu. Donc, moi, j'ai joué au jeu. C'est un MMORPG, je peux pas lancer une nouvelle partie. Et oui, c'est le truc con, ça. Sauvegarder des trucs, oui. Donc, je peux pas lancer une nouvelle partie, je peux repartir de ma partie. Je ne l'ai pas fini, hein, le jeu. Je m'étais arrêté à une époque, en fait, ils ont fait des mises à jour. Avant, on avait beaucoup de sacs, on farmait l'argent, parce que vous pourrez capturer des Pokémon et les revendre. Pokémon Temtem, quoi. Ça vous permettait d'avoir de l'argent, c'était très dur d'avoir de l'argent dans le jeu. Donc je faisais ça, j'avais des sacs pleins, j'avais mis ma team dans le dernier sac, et quand ils ont modifié le jeu avec les dernières mises à jour, les sacs n'étaient plus accessibles, il fallait les débloquer en levelant. Et du coup j'étais emmerdé, parce que bah, ma team, je ne pouvais plus la récupérer. Donc j'ai attendu certaines mises à jour, et après du moment qu'on a fait certaines arènes, on pouvait débloquer des sacs, donc j'ai pu arriver à l'endroit où était mon sac, avec mes bestioles. Je les ai récupérés, mais je n'ai jamais continué l'aventure, j'ai juste testé vite fait, et j'ai jamais fini, donc je suis à peu près, je veux dire, à un bon tiers de l'aventure, pas loin de la moitié, quoi. Donc je pourrais la finir. Mais on a un mode défi qui nous ont lancé, avec une dernière chose qui est sortie à la dernière mise à jour, là, il y a 3 mois.
Et vous allez voir, le mode défi, on peut reprendre l'aventure, donc ça me permet de faire découvrir le jeu en reprenant comme une vraie partie. Est-ce que c'est un buy to play? Non, c'est un jeu où vous payez le jeu au départ. Alors, je crois que c'est 49 ou 45 euros. Mais après, vous ne payez pas d'abonnement. Vous y jouez comme vous voulez, donc c'est ça qui est confortable. Et sinon, donc le jeu, on fait du marché noir avec des temtems. Voilà, on fait du marché noir avec des temtems, en gros, c'est un peu le délire. Donc voilà, ils ont fait un mode défi de vitesse, donc voyager à travers l'archipel le plus vite possible, sans attention au temps que vous mettez à compléter chaque île. Donc ça, en gros, c'est le mode rapide, mais c'est le même mode que de jeu pareil. Donc on récupère les mêmes Pokémon de départ, les mêmes trucs. Je dirais Pokémon souvent à la place de temtem. Hein. Le Nuzlocke, donc pour ceux qui jouent à Pokémon, ils connaissent, c'est ne pas mourir. Récupérer que le premier Pokémon qui tombe. Vous voyez, souvent c'est le temtem plus difficile. Vous ne pouvez capturer que deux nouveaux temtem par zone. C'est deux même, pardon. Et chaque temtem KO sera automatiquement relâché. Je ne le ferai pas. Le Ramdunglock, donc c'est à la fois un Nuzlocke, mais avec le côté random pour capturer les créatures. Genre celles que donne le professeur au départ, bah, sont au hasard. C'est assez marrant. Mais comme pareil, tu peux récupérer que deux créatures par zone, c'est vachement galère. C'est comme si du hasard, tu n'oses pas récupérer. Et si tu n'as pas récupéré la première fois que tu la vois, tu ne peux pas dans un Nuzlocke. Donc du coup, il faut que tu récupères une autre et tu dis « Merde, j'ai temps de chercher ce qu'il y avait dans la zone s'il n'y avait pas mieux. » Donc c'est tendu. Et du coup, ils ont fait le mode aléatoire où c'est comme le jeu de base. Là, exactement pareil, il n'y a pas de notion de vitesse. C'est juste que tout est en random. Les créatures sont random, leurs sorts sont random. Donc ça, je pense que je vais le tester. Ça nous permettra de découvrir plus de petites bestioles. Donc ça, je vous propose le défi vitesse pour découvrir l'aventure comme elle est de base. Et après, on se fera un petit mode aléatoire, quitte à pouvoir reprendre ma partie un peu plus loin. Donc quand on lance une partie... On devait créer un personnage. Bah oui, c'est un MMO RPG. Moi, j'ai créé mon personnage à l'époque. Vous verrez que c'est un design, c'est des îles flottantes dans le ciel, des îles volantes. Donc ils ont des îles un peu rasta, un peu cool, un peu peace and love. Donc moi, je voulais faire un personnage un peu cool. Puis je me suis dit, après tout, je regardais les personnages, je voyais jamais de blagues dans les vidéos. Je me dis, mais attends, c'est un peu dégueulasse, quoi. En plus, ils ont des coupes rasta et tout, je n'y a même pas de blagues. Je me fais un petit personnage black. J'ai cherché des noms, je fais ce que je l'appelle comme mon personnage... qui est noir aussi, est-ce que c'est un Drudeki Tauren de couleur noire? Est-ce que je l'appelle comme ça? Est-ce que je l'appelle autrement? Et puis du coup, je me suis dit, comme je suis en train de filouter le jeu, je vais l'appeler Filou. Donc voilà. Donc vous voyez le nom du personnage, vous allez voir donc le skin, parce que quand on fait ces modes challenge, c'est le même skin que le personnage qu'on a créé, donc vous ne verrez pas l'éditeur malheureusement. Et ça commence vraiment comme un Pokémon. Ah non, boy, tu plais, pour moi, c'est que tu achètes des trucs en plus dans le jeu. Ouais, c'est un peu comme un pay-to-win, quoi, ce moment-là, j'aurais voulu dire. Voilà, c'est juste, t'achètes et tu joues, oui, pardon. Je vais le prendre dans ce sens-là, ouais. Bonjour, j'ai fait un drôle de rêve. Alors, c'est pas traduit, mais vous voyez, il y a le petit texte en bas. Vous voyez bien le texte? Oui, ma barre ne change pas. C'est bon. Donc, on reçoit un Tempédie, donc c'est l'encyclopédie pour les garniers. Voilà ton cadeau d'éveil. Oh, une Tempédie, bon, voilà. Tu es devenu apprenti désormais et tu vas en bientôt devoir te rendre à l'Academia. Alors, je me suis dit que tu aurais sûrement besoin d'une bonne Tempédie. Merci. C'est comment ça fonctionne? Oui, la Tempédie recense tous les temtems que je capture et enregistre tout un tas d'infos à leur sujet. Le professeur Constantinos nous a montré récemment comment s'en servir. Eh bien voilà, tu as une à toi. Bon allez, remue-toi, tout le monde t'attend. Vous voyez donc la petite chambre sympatoque, vous voyez donc le design, donc ça vous pourrez faire du housing dans le même délire. Moi, je trouve ça assez joli. On a une petite peluche. Non, il s'est recouché, merde. Je croyais qu'il parlait à la peluche. Bon, c'est pas grave. Une peluche, une petite déco. Et c'est un peu coloré, c'est vif. Ok, ok, j'avais pas les bons termes, là. Free to play, bright to play et jeu abonnement. Donc, c'est pas un free to play, ça, c'est sûr. C'est pas un jeu abo, donc c'est ton autre catégorie, donc bright to play. Et moi, pour moi, bright to play, c'était ouais, c'est comme pay to win. Je pensais à ça, plutôt. Genre, t'achètes des trucs pour avancer, quoi. Vous voyez la petite maison, je vais vous montrer un peu le délire. Je vais peut-être pas vous lire les quêtes, on va avancer peut-être un peu. Ah, je sais pas, c'est comme vous voulez. Peut-être au moins jusqu'au professeur, puis après on lira pas trop ce que nous disent les adversaires, parce qu'on s'en fout un peu. Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Est-ce qu'il est pas trop faible? Parce que moi, c'est ça que j'ai mis à l'époque par rapport à mon casque. Vous entendez quand même un petit peu les musiques et puis les bruitages. Donc Zadar, on n'est jamais mieux que chez soi. J'ai monté un peu, mais j'ai monté plutôt dans mon live, plutôt que monter dans le jeu. Hop, je vais vous montrer ça. Je vais être à 30 en cas. Est-ce que c'est un peu mieux? Comme la musique est toujours pareille.
Voilà, Filou, félicitations. Joyeux éveil d'apprenti, Filou. Ah là, mais tout Zadar est venu à ma parole. Félicitations, vous voyez le look un peu. Félicitations, Filou, nous savons que c'est un grand jour pour toi, mais tu vas quand même nous manquer. Nous sommes cotisés pour te donner un peu d'argent de poche pour ton voyage jusqu'à l'Académia. C'est pas grand chose, mais ça vient du cœur. Ok, gentillesse, merci beaucoup, mes chers voisins. Mais Filou, où est ton ami Max? Le voilà, le têtu. On m'a appelé. Ah, salut Filou, tu savais que c'était aussi mon éveil d'apprenti? Aujourd'hui, tiens, il y a des photos, machin. Bonjour Max, nous attendons le professeur Constantinos. Eh bien, le voilà, le professeur. Le professeur chaîne du jeu, quoi. Ça peut être l'hiver, c'est sûr. Les enfants, vous êtes prêts? Ah, professeur Constantinos, prenez bien soin de Filou, surtout. Les enfants grandissent si vite. Et avant qu'on ait le temps de s'en rendre compte, ils s'envolent des nids. Ne vous en faites pas, ma chère Ena. Je vais à l'université, je déposerai Filou et Max à l'Académie en chemin. Oh, on peut y aller avec vous? Hé, tu es encore un peu jeune pour venir à l'université avec moi, Max. Mais un jour, qui sait, si tu préserves. Et toi, Filou, tu as des projets pour l'avenir? Il n'est pas super avec les TMTM, mais bon, ne t'en fais pas, Filou. Tu pourras toujours rester pour veiller sur Ena. Hé, venez avec moi, nous allons passer récupérer deux ou trois choses dans mon labo, puis nous nous mettrons en route. Attention, Filou, je t'adore, je suis sûr que tu vas faire des merveilles. Les enfants, on y va. Là, on peut parler aux voisins, si ça vous amuse. Nous, on va continuer. Donc, on peut aller fouiller les maisons. Vous voyez, je vais vous montrer une quand même vite fait. Il y a un peu les décors. Il y a pas mal de... Pour le housing, hein, il y a moyen de se faire plaisir. Hein. C'est moderne, vous avez des écrans de télé, écrans plats, petite cuisine sympa. Petit aspirateur moderne, hein, quand même. Ça se joue à la manette, hein, pour info. Ça peut jouer au clavier, mais ça se joue à la manette, surtout. Je vais avancer un peu pour montrer le maximum de trucs. Essayer d'avancer au moins la première arène peut-être avec cette team là, puis après on fera avec l'autre version pour vous montrer d'autres temtem. Hey Filou, viens voir par ici. Très bien les enfants, c'est aujourd'hui que on commence pour l'éveil d'apprenti. Ce qui signifie que vous possédez déjà toutes les bases théoriques concernant les temtem. Voilà pour obtenir vos premiers temtem. Vous voyez ces vivariums? Chacun contient un temtem provenant d'une région différente de l'archipel. Épreuve, vous avez des numériques? Les temtem numériques sont une création très récente, mon jeune ami. Il est très rare d'en trouver. Ah, moi j'en ai un. Où ce que tu sors? Ça n'a pas d'importance, Filou. C'est le dresseur qui fait toute la différence indépendamment du type de temtem. Et puisque Max possède déjà un temtem, il est temps d'en trouver un. Vas-y, choisis ce que tu veux. Quoi, Filou a le droit d'en choisir un et pas moi? Sois tranquille. Filou, allez, choisis celui que tu préfères. Et prends ton temps pour obtenir ton premier temtem. C'est toujours un événement important pour les dresseurs. Donc là, voilà les petites bestioles qu'on peut capturer. Donc ça, c'est l'élément cristal. C'est pas terre, hein, parce qu'il y a aussi terre qui existe, donc c'est un élément un peu particulier. Ils sont souvent très résistants. Ça, c'est l'élément physique. Donc c'est des combattants. Et ça, c'est l'élément, on va dire, un peu l'équivalent du psy, quoi. Ouais, c'est exactement pareil. Et vous voyez, il y a les quêtes à droite. Ah bah, il y a les timers, tiens, combien de temps on a mis pour tel truc. Bon, vous voyez qu'on est en mode challenge. Lequel vous avez envie que j'essaye, là, vite fait? Dites-moi. Le petit singe, la petite pieuvre, parce que c'est une pieuvre en fait, hein, là-haut. Ou le petit sorte de dinosaure cristal. Le psy. Bah allez, on prend le psy. Voici Uchik, un temtem mental. Il est fort contre les types neutres et pugila. Donc pugila, voilà ses combats. Mais faible contre les types cristal. J'ai ramené de mon alma malter à la faculté de Proporton. Oui, je veux ce temtem. Allez. Alors, vous voyez les stats. Donc là, c'est particulier. Je reprends la souris. Donc, nom du personnage, level, le type. Là, vous voyez ça, c'est pour la reproduction. La reproduction du jeu est assez balèze. On peut reproduire autant qu'il y a de feuilles. Il va falloir faire des croisements pour avoir des enfants, pour reproduire ainsi de suite. Mais les enfants auront le maximum de feuilles des parents. C'est-à-dire, si vous faites deux parents, qu'il reste trois feuilles, bah, l'enfant, il commencera avec trois feuilles. Il ne commencera pas avec toutes les feuilles. Donc, c'est très compliqué. Donc, en gros, quand tu te fais un Pokémon Banger, on va dire, un Temtem Banger, il ne pourra pas avoir d'enfant, parce qu'en principe, il a la dernière feuille, il n'en aura plus. Là, il y a les traits de caractère, donc il y en aura plusieurs. Il y a PV, vous voyez, endurance, vitesse. Alors, endurance, c'est la vie. Hein. C'est la résistance, je veux dire, par rapport à la vie. Attaque, défense, attaque, SP. Donc, ça ressemble à du Pokémon. Là, c'est les stats de base. Et ça, c'est les CP. C'est-à-dire, par rapport au combat qu'il va faire, ses stats vont augmenter. Donc, en gros, on voit les EI ou les EV de Pokémon. On peut le renommer. Mais voilà, la particularité, c'est ça, c'est cette reproduction, ce talent qu'on pourra aussi leur transmettre, et ces stats, et en fait, on pourra avoir des stats à 50,
Et c'est les meilleurs. Vous voyez là, par exemple, il y a une très bonne stat, elle est dans les vertes, les autres sont pas formées, celle-ci est très pourrie. Allez. Donc c'est ça que c'est très compliqué d'avoir des bons trucs. Ils sont random, ils sont random. C'est un de ces trois-là, mais random. Les stats. Tu peux pas avoir de shiny par contre, parce qu'il y a des shiny aussi, enfin ils appellent ça des Lumina. Ils ont sorti un autre type de shiny, c'est des shiny un peu ombre. Et voilà Max, le premier dresseur! Lui, il nous met un numérique. Alors, numérique, c'est un peu le truc ultime, quoi. Ils sont balèzes contre tout. C'est le dragon, en fait, quoi. L'équivalent des dragons. Je crois qu'il y a que les physiques qui leur font mal. Coup de pied. Donc, vous voyez l'interface. Oui, pardon, je vous présente quand même. Donc là, on voit le nombre de TMDM qu'il a, et là, les miens, avec la petite carte, parce que ça ressemble à des cartes. Bon, il m'a one-shot, hein, on est obligé de perdre. Il a tellement l'avantage de l'élément. Je vais vous montrer ça dans notre combat. Donc, comme on a perdu, le professeur nous dit « Ah, mon pauvre !» Moi j'ai réussi à l'éclater dans le truc random une fois. Laisse pas faire cette première défaite là, donc comme il veut qu'on est triste. Je vais gagner l'échange, j'ai quelque chose pour toi Filou. Tiens, il nous en donne un autre. Et lui en fait c'est Evoli. C'est l'équivalent d'Evoli, c'est un Pokémon oiseau. Au début il est pas trop mal, parce qu'il a des techniques pas trop mal. Et en fait il pourra évoluer selon des choses qu'on rencontrera dans le décor. Dans des endroits très particuliers, des hôtels. Et on pourra le faire évoluer sur tous les types en fait. Et il nous donne au départ, donc c'est assez ironique, puisqu'en fait il donne l'un des plus pratiques du jeu, quoi. Bon, je vous zappe le texte, hein, comme je l'ai dit, je vous emmerde avec ça. Voilà, faut qu'on se soigne avant, je crois. On va aller voir la maman. Faut pas qu'on se soigne, mince. Non, c'est pas là. Là. Interface, vous voyez, c'est vraiment genre MMO. Hein. Hip. Non, c'est bon, il faut se soigner, on peut y aller. Du fait maintenant, oui, voilà, on peut dire qu'il est fait. Ah voilà, on les trucs, attention dans les hautes herbes, c'est dangereux. Donc ça, c'est les hautes herbes. Vous voyez, le décor, c'est fait vraiment, c'est quand même assez joli, bien que ça commence à être maintenant un petit peu daté. C'est fait sur Unity, hein, le moteur du jeu. Et voilà le petit Zozio, le petit Roukoul, ou Roukoups, non, c'est Roukoups, le premier. Et donc la particularité, donc là, vous la voyez maintenant, c'est qu'on joue pas qu'un Pokémon, on joue deux Temtem à la fois. C'est du combat duo tout le long du jeu. Donc vous retrouvez donc la barre de vie et une barre bleue. Et ben c'est un peu l'équivalent de la barre de mana. En fait, nos skills, il n'y a pas de points de compétences comme dans Pokémon. Là, c'est des points de mana, ça va consommer par 11. Vous voyez, là on voit la barre qui clignote pour dire que ça en bouffe 11 sur lui. Celle-ci lui bouffe beaucoup plus, ainsi de suite. Quand on n'a plus de mana, on peut quand même lancer un sort. Mais là, ça va nous bouffer de la vie à la place, donc c'est plus dangereux. Et donc, des fois, il faudra attendre, donc passer son tour. Là, passer son tour, pardon. Ou switcher avec un autre Pokémon, ou utiliser des objets. Ça va être déjà plus stratégique dans le combat. Parce que vous voyez, au départ, quasiment toutes nos attaques, ça bouffe vite la barre. Hein. Et là, vous voyez, il y a un autre truc. Ici, dans les sorts, donc il y a les sorts des éléments. On peut mettre les infos, tiens, d'ailleurs. Attends. Même. Local. Non, je sais pas ce que je voulais. C'est le chat local ça. Non, voilà. Clic droit. En fait ça, ils ont voilà des dégâts. Bon l'endurance que voilà il faut, la priorité. Donc la vitesse, on voit déjà la vitesse de chaque sire. Celui-ci voilà, rapidité 3, rapidité 2. Ça dépend aussi de notre Pokémon, bien évidemment. Mais ils ont surtout ça. Donc vous voyez, il y a des icônes là. Là, ça fait un cache, mais là il y en a deux. Là aussi. En fait, on peut pas les lancer au début du jeu. Vous voyez, ils sont grisés. Parce qu'en fait, on peut lancer que quand une seconde attaque. Donc au tour 2, on pourra le lancer. Il y en a d'autres qui se lanceront qu'au tour 3. Et ainsi de suite. Alors celui du tour 1, on peut le lancer en tour 1, en tour 2, en tour 3, on s'en fout. Hein. Mais ceux-là, on pourra les lancer qu'au deuxième tour après une première attaque. Donc c'est assez particulier à jouer parce que du coup, voilà, déjà, il y a des trucs puissants qu'on peut pas jouer dès le départ. Ça limite un peu le gameplay pour le côté stratégique. Et ça, ça change la donne. Et oui, il y a des effets, par emploi, la Mensana, voilà, on va dire le nom. Tout pareil, mais dans l'autre sens, parce que ça inflige défense spéciale. Donc... Ça fait des dégâts et ça inflige défense spéciale qui diminue, comme vous voyez les flèches. Et hypnose, immunition cérébrale, qui inflige endormi pendant deux tours. Vous voyez les dégâts, on va faire une démo sur le petit, mais je pense qu'on va le crever avec les deux autres. En deux. Donc on choisit la cible. Bon, je vais faire la manette, hein, c'est plus rapide. Donc là, on a Picotio et Hurlam. Voilà, je peux voir les stats. Mini ouais, ça va lui faire mal de toute façon. Oui, on lui a
bien bouffé la vie déjà. L'autre dans son coup de pied. Bon, c'est bon, on l'a pas fini, donc on va pas avoir un deuxième sort. Lui, il lance forcément une attaque de merde. Alors là, du coup, on peut lancer en psy ou hypnose. Lancer en deux psy. Et lui, bah, je peux relancer les mêmes là, les mêmes trucs, donc je vais tenter un autre sort. C'est bon, il est plus rapide, donc au moins on verra le sort. Donc ça vous dit déjà, c'est marrant, parce que bah, déjà, niveau interaction, c'est un combat un peu original. C'est pas directement, on a le gros sort surpuissant. Bah non, les gros sorts surpuissants, il va falloir attendre 2 ou 3 tours. Donc on va pas pouvoir les jouer comme on veut. Et en plus, il y a autre chose, c'est qu'il y a des sorts qui fonctionnent avec d'autres. Si t'as un autre personnage de l'élément dans la team, bah ça fait un combo. Donc t'as des sorts combo. Donc c'est vraiment très stratégique, c'est ça qui manque à Pokémon. En fait, il a amené ce qui manquait à Pokémon, ce jeu-là. C'est tout bateau, hein, c'est des petits bonhommes, petits Pokémon tout simples, des petits Temtem, pardon, je crois. Donc voilà le délire de ce petit jeu que je trouve vraiment super marrant. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu pour aller voir des dresseurs. J'essaie quand même de monter un petit peu parce que sinon c'est tendu. Peut-être nous affronter, non? Si on va affronter les autres déjà là, je pense qu'il faudrait prendre au moins 1 ou 2 levels. Les réparer avec maman, puis après repartir. Tu switches un perso au tour 3. Il a accès aux compétences du tour 3 ou faut qu'il attende 2 tours? Bah, si tu switches au tour 3, faut que lui aussi monte ses skills. C'est par rapport au temps de présence sur le terrain, quoi. Là, tu vas picoter le règlement strident après. On va pas le voir parce que lui, il est résistant. Il est chiant, lui. Et pareil, il y a des attaques mono-cibles, multi-cibles. Aussi ce gameplay-là. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà battu un Temtem, on sait la faiblesse quand on l'attaque. Il y aura des icônes, vous verrez. Alors bah tiens, on va faire une hypnose en cas qu'il soit plus rapide. Ah, il était plus rapide. Ah, ça l'a pas tué. Vous avez vu Uchik, il a perdu de la vie, mais parce que j'ai aussi consommé plus que sa barre. En lançant le gros truc d'hypnose, là, ça a bouffé plein de vie. Par contre, oui, toutes les... alors, l'endurance, la vie, non. Je régénère pas. Enfin, je me trompe pas, normalement, non. Un doute maintenant. Par contre, la mana, on va dire, oui, elle régénère. On va aller repartir à fond, la mana, là. Je vais dire ce que je veux. Mais la vie, non. Non, sinon, ça serait trop facile. Remontrer le truc. Voilà, donc là, si j'en si ça fait pas grand chose, mais hypnose, vous voyez, ça va lui bouffer tout. Ça bouffe pas les PV, on est limite, quoi. Mais ça va plus lui bouffer les PV. Bon, ça, hypnose. Et donc là, aérolame, ça consomme plus ou moins. On voit la faiblesse, alors. Non. Aérolame. Il n'y a peut-être pas de faiblesse, c'est peut-être normal, lui. Il y a ces petits côtés stratégiques. Ah bah level, on le sent un peu plus, c'est un moment que ça va devenir plus compliqué. Bon voilà, il a un truc en plus attentif. Il peut pas être endormi. Essayer de prendre un level avant de affronter l'autre après quand même. Allez, un petit ennemi. Il y a plein de trucs en fait qu'on peut... Bon, il y a la carte déjà que vous voyez là. Un petit peu stylé quand même. Est-ce qu'on peut voir la carte du monde? Les cartes d'archipel. Voilà. Il y a plusieurs archipels. Et donc là, on est sur la première. Il y en a tout autour comme ça. Il y a une vraie petite histoire que sympatoche, pas trop compliqué, mais sympatoche. Je vais vous montrer le menu, je vous montrerai après. Ils sont deux, ça va être plus dur. Il fallait prendre des levels. Ils sont level 2. Non,
Là, c'est bien le monstre strident, c'est en touche 2. C'est pour ça qu'il est pratique l'oiseau départ, parce que ça nous aide bien vu qu'il fait de la wall, lui. On va lui donner le levelé, mais l'autre n'aura pas le levelé. Ah oui, il faudrait que je refasse 2 pour remonter. Je ne me rappelais plus s'il fallait que je refasse 2 ou pas. Hérolame, et go! Merde! Ça touche un peu sa vie. Et on peut capturer. Je crois que j'ai un truc pour capturer. Mais ils sont un peu pourris, donc j'ai pas envie de capturer. Allez, je vais réparer avec maman, je monte juste 3 combats de trucs, puis après on va switcher sur le mode random, je pense que ça sera plus marrant. Je crois qu'on va peut-être aller à l'arène. Oh, on va continuer peut-être un peu. Ouais. Ouais, je vais réparer, ouais. Réparer le Pokémon cassé. Et puis il nous accompagne, selon celui que je mets en premier, il sera toujours à côté de nous derrière. Donc tu peux en avoir des très gros qui te suivent. Bon allez, on va aller se monter le premier, tant pis. Premier dress. Alors oui, il y a des trucs. Bah voilà, il y a des trucs à ramasser, s'il faut faire gaffe. On tourne. C'est des trucs numériques, normalement, les Temtem. C'est pour ça qu'ils sont dans des cartes. Vous voyez les cartes qui apparaissent. Hop. Des trucs numériques, normalement. Le petit cochon, là, il est balèze, là. Faut pas croire. Hein. Le petit cochon, il est, là. Alors, je vais le taper en premier. Ouais, c'est un choix graphique, ça soit assez simple, c'est vrai que ça peut faire vide dans les décors, mais moi je trouve justement c'est un style graphique qui va bien quoi. Ça peut être sur portable, sur Switch. On peut se taper soi-même parce que des fois ça peut être utile genre pour réveiller un personnage qui est endormi ou des trucs comme ça. On peut pas penser que c'est nul. Et pareil, il y a des attaques qui peuvent rebondir sur toi. Genre il y a moi un Temtem que j'utilise, il envoie une attaque électrique mais sur tout le monde. Sauf que j'en ai un autre dans la team qui lui quand il se prend une attaque électrique ça le soigne. Donc je fais exprès de balancer l'attaque électrique pour taper les ennemis en même temps régénérer le pote qui est à côté. Une petite stratégie comme ça. Et voilà, tout est bon dans le cochon. On évolue aussi. Tu m'as vaincu, eh oui je sais. Je vais ramasser. Et là, combat double. Oui, on en joue 2, donc on peut faire des combats doubles. Tatirou, c'est le Pokémon merdique, hein, clairement. Et il y a des évolutions, bien évidemment. Par contre, les évolutions se passent... Alors, on pourra pas en voir évoluer, je crois pas. Il faudrait vraiment qu'on joue beaucoup, là. L'oiseau, non, parce que l'oiseau, il évolue qu'avec les zones que je vous ai dit. L'autre, il pourrait évoluer, mais je crois que c'est au level 14 ou 15, donc c'est assez loin, hein. En fait, les Pokémon, les Temtem, pardon, ils évoluent au moment où tu as capturé. C'est-à-dire, genre, s'il doit évoluer, ça sera pendant 12 levels après, pour le palier, le premier level d'évolution, parce qu'ils ont 2 ou 3 évolutions. Mais c'est au moment où tu le captures. Donc, si tu le récupères level 50, bah, il faudra quand même 12 levels avec toi pour le faire évoluer. C'est le fait d'être avec toi qu'il évolue, en fait. Et du coup, ça peut être méga long. Je crois que je vais perdre l'autre. C'est bon, on a tué un. Je peux quand même perdre d'autres. Donc ça peut être compliqué parce que moi tu vois j'ai récupéré des trucs qui étaient sympas assez haut level dans des zones plus où tu retrouves les mêmes de base, les plus haut level. Et donc du coup il faut que tu les montes vachement pour pouvoir leveler quoi. Donc c'est intéressant en même temps je trouve ça plus logique. Quand tu réfléchis tu dis ouais c'est plus logique aussi qu'ils soient avec toi pour évoluer. Et s'ils sont level 100 tu peux quand même les faire évoluer, ils peuvent gagner les 2 dernières évolutions. Même s'ils sont level 100 à ce moment là dès que tu remplis la barre level 100 hop, pour les faire évoluer une ou deux fois. C'est plus compliqué, mais c'est possible. Avant, c'était pas possible, apparemment. On peut marcher là. On peut redescendre plus bas, mais... D'accord, sauter dans le vide, je sais. On saute dans le vide, je sais, regardez. Hop. Voilà. Des trucs cachés. Et surtout un ennemi. Vous voyez, ils ont des looks un peu chelous. Hein. Le mec a des cheveux bleus et roux. Et on peut capturer des Pokémon. On peut capturer des Pokémon. Tous les créatures du jeu. Il y a même des créatures, il y a des raids, où là tu rentres dans des trucs et t'affrontes des ennemis, enfin des adversaires,
ou des Pokémon comme ça. Enfin, t'avances, quoi, dans... Chacun un couloir, en fait. Tu pars à 3 ou 4. Chacun son couloir avance. Tu peux récupérer des bonus. En fait, tu pars pas avec une team. Tu récupères... Ou on te donne un premier Temtem, je sais plus comment ça se passe. Après, t'avances, t'en récupères un autre. Ou tu peux échanger celui que t'as contre un autre. Et t'avances comme ça jusqu'à un boss. Et le boss, c'est un gros Temtem super puissant. Et le but, c'est de le tuer. Et celui qui... Après, t'as une chance de pouvoir essayer de le capturer. Ou tu récupères un œuf de lui, je crois. Non, c'est un œuf maintenant, je crois. Pareil, ça a évolué, j'ai plus trop suivi au bout d'un moment. Et du coup, t'as 3 raids pour récupérer 3 légendaires. C'est pas les légendaires que tu vas affronter dans le monde comme ça. Il faut quand même faire un effort. T'as surtout beaucoup de compétitifs. Forcément, comme c'est très stratégique. Et là, il est marre. On joue mal, hein, j'avoue. Ah, c'est mieux parce que franchement, t'avances, t'as des étapes intermédiaires avant d'arriver au boss. C'est pas juste le boss, quoi. Donc c'est beaucoup mieux. Par contre, ça, c'est sorti avant les raids de machin. Donc c'est vrai que c'est plutôt Pokémon qui a copié là pour une fois. Ah, non, pas qu'il a évité. Ah, il a évité en étant furtif. Vous voyez ce morceau de violon là, il y a plein de morceaux au violon. Et du coup quand j'avais la musique d'Argentine, je me suis dit putain mais ça me rappelle quelque chose. Il y a vraiment un morceau à moi qui ressemble à celui d'Argentine. Ou plutôt Argentine quoi, il ressemble à ça. Me faire chier, je sens. Oui, il va s'auto-tuer. Est-ce que tu peux t'auto-tuer du coup en utilisant des techniques? Attendrissement, c'est quoi ça? On a des tout de même pas attaqué une créature aussi mignonne. On baisse l'attaque. D'accord. Merde. Il va crever à force d'utiliser son attaque, lui. Ouais. J'ai le tour ARNT ou Chic. Ah oui, il faut que j'attende, pardon. Combat de démon quoi. Faut voir de quand date le deuxième DLC. Limité. Et tiens, voilà le fameux vieux jeu. Ouais, le vieux jeu que je parlais. Il n'est pas si vieux que ça, hein. 3-4 ans. Elle a une pomme de vitalité. Que je continue. Ah, j'ai bien envie quand même d'aller en random show, c'est plus marrant. C'est des Pokémon de base, c'est pas le plus dingue. En random, on peut tomber sur des trucs bien. On peut même commencer avec un légendaire. Hein. J'ai pas amusé à faire 25 random à la suite pour essayer de trouver un légendaire, mais... Au pire, si vraiment les trucs, je les trouve pourris, on fera peut-être un ou deux essais de random. Et je dis, ça sera plus marrant à jouer. Non, franchement, c'est un bon jeu, parce que t'as plein de trucs. Tu vois, t'as le chat que tu peux appeler à gauche, là. Tu peux appeler. T'as l'interface, donc, qui est simple, qui ressemble à un Pokémon, mais qui est quand même... pratique. Ah, je pensais que j'aurais fait plus mal. Je vais crever sur lui. Si je crève, j'ai tout perdu. Non, c'est bon. Il est mort en s'auto-tuant. Et comme il y a la notion de mana à gérer, c'est vraiment plus stratégique. C'est vraiment un peu plus fun. Moi, j'avais kiffé cette dimension plus stratégique que de juste tu bourrines avec la même attaque. Ou justement, tu bourrines qu'avec des gros sorts. Je vais vous montrer ça avant, c'est l'interface. Donc, on retrouve l'équipe. On peut aller dessus et puis avoir plusieurs détails. Tous les skills qui gagnent pendant le leveling, on les a là, et du coup on peut changer nos skills à tout moment pour s'adapter aux ennemis. Quand tu dis, bah tiens, il me faudrait plus de contrôle, hop, t'enlèves les contrôles, tu switches. Vous voyez, donc les... Non, voilà, ça c'est les stats de base, ça c'est les stats CP, donc les stats naturellement qu'il a, si elles sont bonnes ou pas, les EV de mémoire. Donc là, il a un bon EV, ça va jusqu'à 50. Et là, c'est les stats qu'il a au final, mais il peut gagner, donc les CA, c'est ce qu'il gagne en faisant des combats. Donc là, en faisant des combats, j'ai gagné des PV, j'ai gagné de l'endurance, j'ai gagné ça. Donc c'est un peu le défaut, c'est que bah oui, quand tu fais des stratégies, il faut que tu récupères les meilleurs trucs pour être bien quoi. Avec des bonnes stats là, puis après que tu ailles farmer les bons trucs pour avoir les bonnes stats là. Mais bon, ça c'est l'univers de la stratégie. Ensuite dans le menu, hop, on a le Tempedi, donc là c'est tous les ceux qu'on débloque. On a les montures, mais bon, ça on n'a pas encore. La carte de dresseur, on peut changer les tenues qu'on a, même les teindre. On a donc les Pokémon qu'on a, les stats, tout ça, les trucs classés.
On a le sac à dos, donc avec plusieurs icônes, les captures, les machins, les baumes. Le truc qu'on récupère, voilà, qui est plus tard, qui est assez sympa, qui permet quand même de soigner aussi quand on est loin. Personnaliser, voilà, on peut personnaliser tête, tout ça. Bon, bah là, j'ai pas grand chose à personnaliser. J'ai pas les trucs que j'ai débloqués. Ah oui, non, c'est vraiment, on part comme au départ, d'accord. Des emotes, parce qu'il y a plein d'emotes, on peut s'amuser avec des emotes et faire des raccourcis d'emotes pour parler avec les autres joueurs. La carte, dont je vais vous montrer tout à l'heure. Des quêtes, parce qu'il y a forcément des quêtes. Les mémos. Notifications, c'est les infos du jeu. Et donc là, c'est pour se faire des amis ou interagir. Et là, le menu ou tutoriel ou retour à l'écran titre. Donc nous, on va retourner à l'écran titre et faire la deuxième version. Comment capture des monstres? Bah, je vais vous montrer justement dans, dans le deuxième truc. Juste avant, je vais vous montrer quand même mon compte pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, moi je suis là. La tenue n'a pas trop changé, on va dire, mais un peu la même tenue. Et pour montrer un peu quand même, personnalisé. En tête, j'avais une cagoule. J'ai retenu comme ça. Et j'ai mis, on t'envoie là celle-ci. J'ai revenu un truc plus tranquille. Non, c'est ça que j'ai mis. Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai remis la tenue tranquille. Et cette tenue que j'aimais bien. Après, je ne vais pas chercher à trop personnaliser. Donc il y a des montures dans le jeu, mais j'en ai pas, parce que je ne suis pas encore au niveau des montures. Par contre, là, vous voyez ma petite team. Donc un tiers du jeu, oui, ils sont quand même déjà 50, 56. Hein, ils sont pas... Bon, il y a des boutiques aussi, parce qu'il y a un Battle Pass. Et on peut acheter des trucs. Maintenant, il y a un Battle Pass dans le jeu. Et ouais. Donc ça a évolué. Vous montrer un peu les thèmes qui existent. Voilà un petit peu ce qui existe en créature. Donc ça, c'était un numérique de tout à l'heure et son évolution. C'est un petit canard qui était un truc de concours. Il y avait un concours qui avait été offert avec le Kickstarter pour que les gens dessinent un thème avec ses évolutions. Et donc le gagnant, c'est celui-ci. Voilà son évolution. Et voilà son évolution finale. Très Pokémon. Hein. Petite créature insecte qui évolue en petit papillon. Donc lui pourri de départ. Je crois qu'il a une évolution de mémoire. Ah non, il n'y en a peut-être pas. Le petit éléphant. Il évolue en grand éléphant, mais j'ai pas l'éléphant. Petit Zozio. Il devient plus gros Zozio. Il devient maigre gros Zozio. Un lapin à moitié cristal, comme vous voyez. Il évolue en truc encore plus chelou. Encore un petit insecte chelou. Il évolue en insecte encore plus chelou. Ah si, c'est chelou aussi. Voilà une sorte de petit dragonnet. Une belette. Oui, en belette kung fu. Il sert, mais qui n'a pas encore ses bois. Il voulu en. Non, c'est pas un cerf, c'est plutôt un bélier. Il voulu en chute et tu. Fameux rhinocéros. Coup de chic. Qui évolue en ça. Et qui a une autre évolution, mais les adversaires n'ont pas encore dans mon jeu. Serpent, j'aime bien, si regardez, il évolue en. Triple serpent. C'est une sorte de bélier, mais avec une coupe un peu chelou. Et encore plus stylé en évoluant. Bestiole de cailloux. Ah, le design est un peu différent, oui, un Pokémon. Petit renard. Bestiole chelou. Ou un truc plus moche. Il est marrant parce qu'il est puissant en fait lui. Voulons ça, voilà. Il se joue en ligne, ouais, c'est un MMO tout le temps en ligne, t'es tout le temps en ligne, je suis connecté avec d'autres joueurs. Il n'y en a peut-être plus trop sur le jeu maintenant, en tout cas surtout à bas level. Tout en ligne. Il y a un petit lion qui est sympa. Hop, qui évolue en lion un peu plus gros. Il évolue en méga gros lion. Tous les évolutions ne sont pas dingues entre les deux lions. Mais bon, il évolue avec les 4 bras à la fin, tu fais ah ouais d'accord, il a évolué. Et j'aimais bien ces petits lézards, ils étaient marrants. Eh, lézard, forcément, Bafale. Il est venu en plus gros lézard de fait. Donc le petit des départs, vous voyez l'autre. Une plus grosse tortue qui évolue après une très grosse tortue.
Un autre petit psy. En ninja psy. Alors j'ai pas tout débloqué parce que comme j'y suis. Moi j'ai arrêté moi un tiers, la moitié peut-être. Un tiers moitié quoi. J'aime bien aussi son évolution galère. Une sorte de requin de sol. Une petite bestiole qui a l'air pas de mine, mais ça se vendait bien à l'époque. Qui venait une sorte de petit dragon comme ça. Le petit singe, moi c'est celui que j'avais pris au départ. Qui voulait en ce singe là, un peu plus costaud. Et qui voulait en vieux singe maître de karaté. Mais vert de terre. Une bestiole chelou. Non, ça ressemble à rien. C'est évident ça qui est déjà un peu plus mignon. C'est évident ça qui est très étrange. Et j'aime bien aussi son style. On dirait qu'il a des rastas, le truc. Il est voulu un truc encore plus rastaquaire. Avec 4 yeux, oui. Ça, c'est le truc moche à chaque fois, oui. Moche poison. Aussi d'oiseau préhistorique. Et merci pour l'abonnement. La majorité des jouets doivent être dans les games. Ah oui, oui, puis ils font de la compétition et tout, je pense, à moitié. Hein. Mais bon, ça peut être marrant à revivre. L'abeille. Lui, c'est le truc des océans. Le grizzly. J'aime bien aussi le dragon chinois, là. Chin. Voilà, c'est lui, il a Nesla qui fait des attaques électriques. Il peut se soigner aussi avec des attaques électriques. Petite pieuvre qui devient plus grosse pieuvre. Notre petit dragon chelou. Le fameux tout, ouais. Ah, vous en avoir deux, trois, je crois, voilà. L'évolution, donc, cristal. Ah non, on voit pas les autres. Et je les ai croisés, je crois, ou je les ai vus, mais on les a pas rentrés. Ça, c'est une bestiole que j'aime bien. C'est un, ben, une sorte de fée des forêts, mais qui soigne. Donc c'est un soigneur, en fait. Donc j'aime bien celui-ci. Et le petit caillou, là, qui évolue en plus gros caillou. Il voulait un gros méchant caillou. Fameux cochon. En fait, il a un truc pour se suicider et faire mal aux autres. Ou quand tu le tues, il se suicide. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il était bien utilisé. Bonnet. Voilà, ça, c'en est un qui est marrant. Ça, on le débloque dans l'aventure. C'est une sorte de semi-légendaire. En fait, c'est un qui était torturé par des gens. Donc, il nous accompagne. Il est très, très, très défensif. Il y a les stats en def et def spé. Et en fait, il pouvait évoluer. Et moi, j'ai découvert qu'il évoluait, mais à une des mises à jour, je savais pas qu'il évoluait, en fait. Je pensais que c'était sa forme finale. Mais comme j'adorais son aspect défensif pour faire un tank dans le groupe, je trouvais ça pratique. Et en fait, il évoluait en ce putain de truc. J'étais trop content. Je me suis dit, ah putain, il est trop, tellement bien stack. Et voilà, on a fait le tour. Et donc, ma team, bah, vous allez la voir là. Tiens, d'ailleurs, je vais changer dans l'équipe. Je vais mettre justement le groupe pour vous voir un peu comment il est gros. C'est comment les switch déplacer X. Regardez, la grosse bébête qui vous suit. Il est marrant celui-ci. Je vais me remettre dans l'ordre parce que c'est un peu compliqué sinon quand je vais vouloir rejouer parce que normalement ils sont en interaction pour fonctionner par ligne. Donc voilà les miens. Kinyu, le petit soigneur. Vous voyez qu'il a déjà fait de la reproduction. Il a 3 stats à 50. J'en ai un 50-50 partout. Hein. Avec les trucs, j'ai vraiment fait un parfait. Vous voyez là, il reste 2 feuilles sur celui-ci. Donc c'est un des parents, mais je m'en servais comme il avait des meilleures stats. Donc, soigneur nature mentale, nature et mentale. Ensuite, comment on passe aux autres? Ben voilà. Mon gros maître chinois de combat. Donc, combat terre, ce qui devient terre en évoluant le dernier truc. Lui que j'adore, Saku. Donc, pareil, j'en ai fait une version ultime de lui. Mais je la joue pas parce que bah, c'est... sinon, je récupère des stats de merde de la TCA qui ne m'intéressent pas. Donc, nature vent. Donc, ça fait deux natures, mais pratique. Enfin, j'ai même 2 natures et 2 vents. Voilà, le deuxième vent cristal. Donc lui j'ai gardé parce qu'il est vraiment pratique avec toutes ses attaques en AOE quoi, ce truc pratique. Nesla donc c'est celui qui fait de la foudre et bioélectrique donc qui se soigne. Il est assez sympa. Et puis mon gros tank qui fait du feu, du cristal et même je crois du... Ouais casse-tête il fait aussi du physique. Il est puissant. En fait il est très défensif mais il fait quand même mal. C'est surtout pour temporiser. Ça j'ai lui il est le tank pour temporiser si j'ai besoin. Ça permet de me re-soigner pour faire des stratégies comme ça. Temtem je crois qu'il y en a 150. Je ne saurais pas dire exactement le chiffre.
Kinyo. Ah, Kinyo, elle est mignonne, hein, sa petite fée, là, je la trouve vraiment mignonne. Ah, pas d'évolution, mais je la trouve vraiment mignonne. Un petit bout de fée. Voilà, là, c'est une des villes souterraines du jeu. Vous voyez, les décors sont un peu différents. Tiens, je vais vous montrer une maison quand même. Donc, chaque lieu a ses décors et ses meubles, vous voyez. C'est un petit peu différent. Oui, le monsieur est tout nu. Allez, dans une autre maison, on va chercher. Ah oui, non, là, c'est une base, c'est autre chose. On va y aller, là. Et donc, il y a le centre Pokémon, comme dans tous les trucs. Là, c'est les gardes, il y a les gardes, ils ont une gueule. Ils ressemblent au mec, au dragon, là, que je vous ai montré. Dans le design du truc du dragon. Voilà, ça, c'est une... C'est le centre Pokémon. Donc là, on peut recharger nos cartes. Non, on peut changer nos équipes. Là, on peut recharger nos cartes. Je veux dire, c'est des cartes virtuelles, donc... c'est le soin. Voilà, sans soigner. Il y a des PNJ à la con qu'on peut parler à chaque fois. Ça, c'est le vendeur, parce qu'il y a une boutique intégrée. Non, lui, c'est souvent lui qui débloque des trucs de sac maintenant. Voilà, bah, je vais lui parler. Ah! Et on navigue d'île en île en prenant un bateau. Enfin, il y a toute une histoire vraiment scénarisée. Vous voyez, ça, c'est sympa et coloré. Non, sympa. Bon, je vais arrêter sur ce compte-là pour montrer autre chose, mais... Et les cartes, pour montrer quand même les cartes avant. Voilà. Vous voyez, j'ai fait donc la première île. Deuxième île qui était assez sympa. Oui, c'est ça, la deuxième île. On sort de la troisième. Où là, en fait, on atterrit. Enfin, il y a une histoire où on atterrit assez. Et là, j'ai commencé cette île-là. Je l'ai commencé ou c'est... Non, j'ai commencé. Easy, ouais. Et il me reste encore deux ou trois, parce que je sais pas si celle-ci elle est à part. Ouais, non, j'ai quand même plus peut-être à la moitié du jeu quand même. D'où le 50, ça serait plus logique. Mais non, franchement, il est assez fun. Je vais repartir sur une autre partie en mode découverte du début. Alors, comment on sort déjà? Désolé, les raccourcis, c'est pas les mêmes sur chaque jeu, c'est un peu perturbant. Tout la touche validée qui est entre A et le B qui arrête pas de changer. C'est très perturbant. Donc, je relance le défi. Donc j'ai supprimé celui-ci, ouais, parce que sinon je peux pas partir. Mais oui. Est-ce que tu peux faire qu'un défi à la fois? Ça c'est dommage par contre. Et on va faire le mode aléatoire, donc c'est le même jeu, tout pareil, mais tout est aléatoire, tous les Pokémon sont aléatoires, et les techniques qui sont aléatoires. Donc tu peux en avoir un qui est banger, tu vois, ah, il a les meilleurs stats, c'est le meilleur. Sauf qu'en fait, genre, par exemple, le soigneur, bah, il sera plus soigneur, il aura d'autres skills à la place. Donc ça peut être marrant à jouer, je pense que ça peut être très chiant. Par contre, je sais pas si tu récupères le même de la même espèce, est-ce qu'ils ont des trucs aléatoires ou pas. Ça je sais pas. Salut Liwen Viride. Bienvenue dans cette découverte pour ma communauté de Temtem. Je leur fais découvrir ce petit MMORPG qui est donc, comme je dis, le vrai truc qui aurait pu faire peur à Pokémon. Bon, je vais faire vite les textes, hein, comme on a vu un petit peu tout à l'heure. Et bon, je pense que ce sera plus sympa pour vous de le lire. C'est du JRPG, hein, donc il y a du texte et du dialogue. Oui, tout est pareil. Maison et tout, ils vont nous faire le petit truc de départ. Regardez si vraiment ils sont pourris, je fais un petit reset vite fait. Enfin, après, je les connais pas non plus tous, mais il y en a que je sais que c'est sympa. Par contre, ce qui est chiant, c'est que dans cette base là, avec le côté aléatoire, c'est quand même on peut avoir un Pokémon évolué au level max. Et ça, c'est dommage que tu diras putain, le plaisir au moins de le voir évoluer pendant que tu montes. C'est quand même un peu dommage, je trouve que l'aléatoire, ils auraient dû au moins sur le. De départ te permettre de les voir évoluer, mais j'ai vu un mec, il a eu un légendaire, lui il a commencé avec un légendaire, c'est bah, super, ça va la vie quoi. Ah. Bon non, il faudrait aller dans les maisons pour récupérer des goodies, je crois qu'il y en a certains qui donnent des trucs. Il faut parler à tout le monde, j'ai un peu la flemme j'avoue. Ah bah il y a des trucs sympas là. Ouh, il y en a deux, oh, il y a deux que j'hésite là, déjà les deux j'hésite. Et les enfants, c'est déjà... On s'en fout, vas-y, raconte ta life. Ah, par contre, ils ont fait le truc, mais c'est bizarre, parce que quand tu parles à lui, ils vont dire que c'est le singe. Alors, le singe est au milieu, hein, pour rappel. Donc là, c'est la deuxième évolution du singe. Lui, il est cristal machin, mais moi, je le trouve trop stylé en design. Et lui, c'est un gros costaud physique foudre, mais il est pas mal, quoi. Donc, j'ai dit, parce que lui, j'adore son skin, et lui, je sais qu'il est plus... Oui, il l'appelle cristal, et c'est pas son nom. Électrique et mental. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, il est cristal, c'est pas du tout ça. C'est ça, le défaut, c'est que là, ils ont gardé le script de départ. J'hésite là entre les deux. Attendez, on va retourner voir. De toute façon, ils ont peut-être pas les stats. Là, je vous dis, je vais garder le truc, le Tumpedia à côté. Hop là, Tumpedia. Hop, le Tumpedia. Pas Tumpedia, pardon.
Donc celui qu'on vient de voir, c'est le gros foudre. Il y a le gros foudre. C'est trop vite. Voilà, bon, il y a Inky. Il y a foudre cristal. Ça, je trouve ça stylé. J'aime bien les foudres. Vous voyez, je le trouve vraiment mignon. Hein. Bon, je vais aller sur le côté coup de cœur. Les stats, ah, vitesse à endurance, c'est pas mal. Mince, on va ouvrir ça, mais sur un nouvel onglet. Voilà. Et, parfait. Bon, ça m'a ouvert deux fois. Et on n'a pas les skills. Bon, 50% des techniques physiques, les techniques spéciales. Ah ouais, en plus, on peut choisir. Et l'autre, c'est quoi déjà? Je crois que c'est électrique, combat. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, c'est le petit qui évolue quand ça, et après qui évolue en le gros. Ah, c'est aussi un électrique. Donc les deux sont électriques. Par contre, il y a des meilleurs stats. Ouais, 71, 78, 80. Ouais, non, mais en stats, il est. Il atomise l'autre, quoi. C'est vrai qu'il est marrant, le petit cristal électrique. Mais bon, lui, il atomise l'autre. Donc je pense que je vais prendre le gros. Hein, on va pas se prendre la tête. Je pense qu'on va jouer quand même malin. Oui, mon jeu. Ouais, il y en a rien. Je n'ai même pas les blés. Bah, ils sont tous évolués. Tu vois, lui, c'est sa troisième forme. Puis lui, il n'a pas d'évolution. Okay. Mais je pense que je vais prendre lui, hein, du coup. Hein, parce que vu la puissance. Ah, on va prendre le gros costaud, là. On peut lui donner un nom ? Un nouveau Temtem. Golzi. Bah, comme Lunes était le premier ce soir, on va l'appeler Lunes. On va tous leur donner un nom. Ah, moi, non, tiens, après tout. Qui veut donner son nom ? Parce que, à la tête, ils veulent pas. Ils disent, ah, je préfère lui, je préfère lui. Dites-moi, est-ce que je fais par ordre de ceux qui sont arrivés ? Donc, il y aurait Lunes, il y aurait l'ami Plus, s'il est encore là. Ou alors, je vous laisse trouver un nom. C'est vous qui choisissez. Soit je mets un nom d'un viewer, soit je mets un nom. On va s'amuser à faire ça. Bon, Lunes, Indy, Ward. Allez, on va mettre Lunes. Hop. Tiens, je peux mettre le. Ah, si. Lunes, voilà. J'ai pas fait d'erreur, non ? Je regarde comment tu fais. Ouais, je mets pas le 777, hein, je mets Lunes tout court. Et donc, il a des amorceurs. C'est quoi des amorceurs ? Je m'en rappelle pas. Je sais pas. Là, il a pas des méga stats quand même. Hein. Ils n'ont pas mis les bonnes stats. Équipe. Mm-hmm. Ils t'ont dit, allez, les enfants. Allez, faut qu'on atomise l'autre con, là. L'autre. Oh putain, ça fait stylé, regardez. Un gros truc costaud à côté de nous, quoi. On dirait un garde du corps. Et alors, lui, normalement aussi, il a un random. À moins que ce soit encore scripté. Oh, il a un random. Oh, il a un random pourri. T'as jamais pu piffer Max, je peux comprendre. Alors, as-tu une griffe vénineuse ? Ah ouais, carrément quoi. Et ça, direct ciblé, un coup bien placé, mais bon. Bah, direct ciblé. Mais c'est bien parce que moi je jouerai pas dans ma team celui-ci parce que comme j'ai déjà un physique et j'ai déjà un électrique, je pense pas que je jouerai. Putain, ça lui a pas fait normal quand même. Rester griffe vénineuse mais chanteuse, ça va lui faire grand chose. Si quand même. C'est quand même fort ce coup. Après je sais plus la table des types, hein, carrément. Hein. Déjà Pokémon je commence à plus m'en rappeler. Ouais, Lunes évolue. Oh, qui vive, c'est quoi qui vive? Éteint les yeux derrière la tête, façon de parler. Cet état d'alerte le rend attentif pendant 5 tours et dissipe endormi. Ouais, pas mal. Je sais qu'on s'en sert, mais... On a gagné contre Max, ça le dégoûte encore plus. Ouais, du coup, c'est ça, c'est le défaut, c'est les textes qui sont restés les mêmes. Alors, pareil, il nous donnait l'oiseau, apparemment. Mais c'est pas un oiseau, c'en a un autre. Alors, je crois que lui, il a encore une évolution. Désolé, je vais voir à chaque fois, mais je me rappelle plus du tout. Attendez, fermez ça, on se rappellera celle qu'on a. Ah merde! Compliqué. Je crois qu'il est au-dessus, les cristals. C'est le blaireau de mémoire, celui-ci. Peut-être plus bas. Non, il est plus bas. Ah. Non, pas de... C'est pas lui? C'est pas Valache? Putain, attendez. Valache ? Oui, c'est Valache. Ah merde, il n'y a pas d'évolution. Valache. Et lui. Ah, puis des cristals neutres. Donc c'est bon, ça ne mélange pas. Valache. Bon, bah on va l'appeler comment ? Ouais. Moi, je dis, on va l'appeler Wards. Hein. Vu que Wards est là. Hop.
Bon, j'espère que tu vas nous faire gagner des trucs, Amouart. C'est bien parce que j'ai vu que c'est des équipes mixtes. Moi, j'adore jouer à ça, Pokémon. Ouais. Par contre, dès que tu joues la manette, hop. Enfin, jouer des équipes mixtes, je trouve que c'est plus intéressant. Mais je choisis toujours les équipes mixtes avec quand même le moins de faiblesse, quoi. J'ai toujours de faire des teams comme ça. T'as bien été thème Chris. Moi, je les trouve sympa en design. Je trouve l'idée originale, j'ai dit ça aurait pu être un bon truc qui est repris dans Pokémon. Les Pokémon cristallisés. Et t'as un honneur de te faire comparer à un furet. Ouais. Lunes, tu sais, depuis qu'il fait Tempo, regarde, il a pris de la carrure. Hein. Madame. Non, on veut pas, ta gueule. Donc là, tout va être aléatoire. Bon, par contre, au bout d'un moment, c'est les mêmes hein, qui reviennent, mais c'est aléatoire ceux qui ont été choisis. Oh putain, lui aussi, il est plus. C'est le numérique. Ah, faut le choper. On va peut-être pas choper le premier, parce qu'il doit être pourri. Ouais, niveau 2 en plus. Un petit direct ciblé dans ta gueule, et un coup de boule. Je le choperai après. On va en choper un ou deux. Ouais, l'effet de scène. Bah ouais, c'est pas naturel. En fait, dans Pokémon, t'as une certaine logique. Tu vois, le feu, ça brûle, la plante. Si tu l'arroses, ça éteint le feu. Tu vois, t'as des trucs comme ça, c'est qui paraissent assez logique. Là, non. Puis en plus, c'est des trucs genre le numérique. Le numérique, il fait quoi? Il fait maner une plante, non? Tu t'arrives pas à visualiser. Le cristal, je sais pas, donc ça casse la plante, non? Oui, toujours deux. Ah oui, j'ai pas regardé les sexes. Putain, on a de la chance, ils ont pas de sexe, les miens. Non, si, il doit avoir un sexe. Mais si ça se trouve, Lunest est une femelle. J'ai pas regardé. J'ai que je vois pas d'icône, je pense que... Non, peut-être qu'on le voit pas quand c'est dans l'équipe. C'est vrai que c'est aussi plus fun, parce qu'on commence avec des Pokémon souvent un peu plus haut level. Warz est une femelle, de souvenir. J'aurais dû l'appeler Warzette, alors. Un cri plus amplifié par l'âme du Temtem en infligeant des dégâts importants à l'ennemi. Oh. On va regarder dans le menu. Ah bah non, vous êtes tous les deux des femelles, les mecs. Lunestet et Warzette. Allez, boule, les gars, quoi. Bon, allez, je voudrais récupérer un petit avant d'y aller. Je sais plus si les petits gagnent à côté. Je crois qu'il y a un truc d'XP multiple, mais je suis plus sûr. Je m'en rappelle plus. Ça peut être un homme. Ouais, le nom peut passer. On a quoi en faire? Ah, la petite abeille, elle est marrante. C'est un bon Pokémon électrique, mais bon, moi, j'en ai un du coup. Par contre, si j'ai pas de sort électrique sur le Pokémon électrique, c'est un peu la merde. Après, on pourra en avoir pour reproduction. Je sais pas s'ils ont trouvé d'autres systèmes que la reproduction. Parce que dans Pokémon maintenant, tu les mettais dans le camp et tu pouvais copier des sorts d'autres. Donc c'était pratique, tu pouvais mettre des sorts puissants à d'autres. Et puis t'avais les CS, les CT, c'était marrant. Oh putain, l'attaque de lave, c'est un truc banger qu'il a lui pour un bas level. Ah ouais, ça t'a one shot quand même d'utiliser. Putain, le mec il vient, il a une attaque de fin de game quoi. Laisse tomber quoi. L'abeille de la mort. Warz se soigne à la fin du combat? Attends. Non, comme effet. Des amorceurs, qu'est-ce qu'il fait des amorceurs déjà? Je sais pas regarder tout à l'heure. Ah putain, arrêtez de bouger si vite. Ah, faut que je passe à la souris, y'a pas chier. Ça, j'adore les jeux qu'on peut switcher de l'un à l'autre. Voilà, des amorceurs, si t'as utilisé une technique physique contre son adversaire, il sera démuni pendant 2 tours. Oh putain. Et du coup, restaure 20% des PV max si un autre Temtem est mis KO. Ah ouais, donc si j'élimine un ennemi, je récupère de la vie à chaque fois? Il est balèze. Ah ouais, c'est vraiment pas mal du tout. C'est même un peu cheaté, quoi. Alors voilà l'abeille avec son sort de lave, quoi. Laisse tomber. Et attends, mais limite, faudrait la capturer si elle a encore le sort de lave. Hein. Direct ciblé, tiens, cri de lame. Ah, cri de lame, ça lui bouffait de la vie. C'est 27 de coups. Oh, stylé! Il récupère sa vie dès qu'il y a quelqu'un qui meurt. Monstrueux, ça. Par contre, l'effet de s'être fait mal avec l'énergie, il perd après. Ah ouais, donc il récupère la vie, il repère. Il revient pas, le petit? Bon, on va aller voir vite fait à côté l'autre. Quel est le dresseur, là? Et là, il faudrait sauvegarder à chaque fois, mais c'est un MMORPG, ça sauvegarde tout seul.
Parce que là, on peut vraiment se faire éclater la gueule en 2-2. Alors, il y en a un qui est chiant. Ah, la chouette. Ah oui, c'est la version bébé de la chouette. J'ai récupéré, moi, son évolution. Direct ciblé. Donc, non, c'est un physique, ça va lui faire mal. Mon cri de l'âme, ça me bouffe de la vie, donc je vais faire un coup de boule d'un. Ah oui, putain. Dans des PV, le petit con. Ah, ça, ça t'a fait mal. Il y a le tuto qui nous sort un truc pire que le truc de lave. Non, ça va d'aller. Attends, si, il m'a bloqué ma magie là, c'est d'une autre couleur. Oh putain, je suis étrange, je sais même pas ce que ça. Je découvre des skills. Bon, on va tuer lui, attends. J'ai écrit de lave, voilà. Plus tard. Il y en a un de moins. Putain, il gagne trop vite de l'XP en plus. Quoi ce truc? Attends, il nous a endormi l'enculé! Ils vivent. Eux qui vivent, c'est... Attends, ça faisait quoi déjà tout à l'heure ça? Eh merde, je vais pas y arriver avec les trucs. Non, qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment vendre? Mais non, je peux pas. Mais non, mais reprendre? Voilà. C'était des idées derrière la tête, façon de parler. Attentif et endormi. Bah, faut que je lance ça. Ah non, c'est. Bah si! Je sais pas, ou c'est peut-être le mode, ou non, c'est peut-être au début ce qui tape fort. C'est vrai que c'est des ennemis plus haut level aussi, on les trouve plus tard dans le jeu, donc ils donnent peut-être plus d'XP de base. Par contre, il va falloir attendre qu'ils soient plus en sommeil pour attaquer. J'espère que ça s'enlève au bout d'un moment, je me rappelle plus comment ça marche. Et j'ai joué il y a 2 ans. Hein. Bon, il s'est réveillé. Vas-y, nique-lui la gueule! Vas-y, Warzy! Ah oui, le nombre de tours est là, ouais. Ça, ça y était pas aussi avant l'époque. Pour ça, franchement, j'aurais préféré repartir à zéro, ma partie, mais j'ai mis tellement de thunes et tout. Et puis je me suis quand même créé 2-3 biens, quoi. Donc ça me ferait chier de repartir à zéro. Bon. Mais là encore, il y en a trop. Attends, moi je voudrais récupérer un troisième, là, parce que je pense qu'on perd de l'XP en plus. Un petit troisième dans la team, là. Le petit numérique, là, il serait pas mal, parce qu'il y a des potes. Oh putain, deux petits numériques! J'ai des trucs pour capturer en fait, j'ai même pas. Oreo il s'appelle. Oh putain, c'est que des femelles, mais il y a que des femelles dans le jeu quoi là. Ouais, je vois un level 3, je capture pas en dessous de level 3. Pas déconner. Pas là pour souffrir. En plus, ils ont l'air pourris, ils ont l'air d'avoir des attaques de merde. Oh putain, qu'est-ce qu'il a lui? Il est devenu vert? Putain, il est malade! Il nous a fait... Mais il se soigne. Et c'était dans un soin. Il y en a un qui se soignait. Il avait le soin de la petite fée que je vous ai montrée. Attends, si on tombe sur un 3. Au pire, ça pourrait faire un soigneur. J'ai pas l'impression qu'il a l'air dingue. On va continuer avec les deux. Les deux sont balèzes. Oh putain, voilà l'abeille maudite. Non, ils ont laissé les noms comme avant. C'est toujours... Oui, enfin, les attaques étaient en français, mais... ils ont gardé les noms, tu vois, un peu chelou, Gazuma et tout ça. C'est ça, d'ailleurs, qui fait que les Temtem marchent moins bien. Et pareil, dans... Pal World... Merde. Pal World. Et je suis en train de me chercher comment ça s'appelait. C'est ça aussi qui pose problème à beaucoup, c'est que les noms, en fait, c'est pas facile. Le fait d'avoir des jeux de mots pour les Pokémon, c'était le meilleur truc qu'ils ont créé, hein. Voilà, un coup de rayon et c'est tout. Cette technique vous octroie attentif et furtif pendant 2 tours. Rayon aveuglant. Ça tape aussi ça? Ah oui, 10 de dégâts. Accepté bien sûr. Putain, il a vraiment des trucs qui n'ont rien à voir. Bon allez, viens affronter les deux costauds là-haut. On n'a même pas peur, allez viens.
Ce Lunès là qui me suit, tellement badass. Tu as joué quand toi, Liwen, au jeu? Il y a des trucs. Ouais, j'ai l'impression. Ah putain, il a le clown! Regardez, on dirait un clown l'autre. Là. Avec son nez bleu, regardez, on dirait un chien clown quoi, il est trop chelou. Ah, attends, tu as un petit direct ciblé dans ta gueule à toi plutôt? Ouais, quoi que dans le cristal feu, ouais, ça peut être dangereux ça. Est-ce que j'ai assez pour cri de l'âme? Ouais, je peux le faire en one shot. Putain, une vitesse grand V. Yeah! T'as pas one shoté. Baisser la défense. En fait, c'est un illité, Lunès, quoi. Il pose des dots, des debuffs. Il y a peut-être deux clowns là de celui-ci. Trop chelou. Rayon aveuglant, mais ça va me bouffer de la vie si j'utilise, c'est dangereux. Quoi. Un petit truc simple. Par contre, tu vas te reposer. Il y a des gens qui commencent à faire de la stratégie, quoi. On a tué grand pas. Oh, on a tué le grand-père. Merde alors. T'étais à la bêta? Ouais, moi j'ai fait bah, la pré-release. J'ai fait la release, quoi, en fait. La pré-sortie, je veux dire, l'accès anticipé. Et je me suis arrêté à peu près quand c'est sorti en version normale. J'ai dû jouer encore un mois, peut-être. Mais on farmait tellement les thunes, c'était chiant, quoi. C'est ça qui m'avait un peu gavé du jeu, quoi. Il y avait d'autres jeux, j'étais sur d'autres MMO aussi. J'avais vraiment aimé cette pause de jeu, je trouvais ça fun. Puis le côté stratégique était vraiment fun. Et toi, par contre, c'était la bêta, c'était même avant la release, quoi. T'as jamais envie d'y retourner. C'est ça qui est dégoûté. Après, apparemment, ils ont mis des trucs meilleurs pour gagner de l'argent. C'est pour ça, des fois, j'aurais envie de reset pour le compte, tu vois, pour recommencer. Mais je me dis, attends, tout ce que j'ai gagné, les stratégies que j'ai fait. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais je me dis, ce serait plus fun de repartir à zéro. Ah, l'image chargée. Putain, c'est un truc électrique, c'est lui qui a le sort électrique. Je me sens manger à vos temtels. Cette technique inflige des dégâts modérés à toute l'équipe adverse. Ainsi que. L'effet annulé pendant deux tours. Alors, je sais pas ce qu'il est fait, mais. 85 de dégâts, putain, ça doit être violent. Bon, dans l'envers, que c'est pas électrique qu'elle score le skill électrique. J'ai bien toujours voulu refaire mon premier temtem. Quelle émouvance. Oui, j'invente des mots. Allez, là, il y en a bien un petit qui a pop et nom de Dieu. Voilà. On va voir. Oh, la petite araignée électrique! Mais il n'y a que des électriques dans le jeu. L'araignée électrique, il devient plus grosse araignée électrique. Mais là, elle ressemble à un Pokémon qu'on a dans, qui existe. On dirait ciblé, bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Petit cri de l'âme, vu que je peux le one-shotter maintenant. Par contre, j'ai l'impression que j'ai que des femelles. Le jeu est buggy en fait, il n'y a que des femelles dans ma partie. Bon, je m'en fous. Dans Pokémon, ça me fait chier des fois d'avoir que des femelles. C'est genre, des fois t'as un truc podasse, tu fais ah non, je vois que ce soit un mec quand même. Merde. Alors 21, ouais, ça va tout bouffer. Même si t'as pas encore assez d'énergie, toi. Non, j'aurais mieux fait de faire, attends. Ah zut. On peut annuler les techniques, c'est ça qui est bien tant que le deuxième a pas joué. Hein? Biochimiste! Ah putain, ça lui a redonné de la vie! Je sais qu'il y avait le truc électrique qui redonnait de la vie, pas ce truc-là. Putain, lui a redonné de la vie. Fumé de là pas mal. Alors le... C'est une attaque vénéneuse. Une attaque poison, donc le poison pour redonner de la vie, ok. On va indirect cibler, du coup il n'y a pas le choix. Et toi, tu vas attendre ton tour. Ah, bim, one-shoté. Un poison peut soigner. Putain, ça pourrait être un bon truc à choper, ça, du coup. T'affrontes un poison, hop, t'es sûr de te régénérer. C'est qui tue toi, les dames. C'est que si on saute, on se fait attaquer, mais je suis pas sûr d'avoir assez de vie. Ouais, tout le temps. Là, il va se faire niquer la gueule, la lunette. Là. Aller soigner avec maman. Soigner avec maman. Ah, moi aller voir maman. Trop jeune pour mûrir. Bah, je fais beaucoup ça au début des jeux. C'est ça, tu montes ta team à 10 et après tu roules sur tout et t'es tranquille pour quelques temps.
Tu vas mourir, Ness, fais gaffe. Ouais, là, ça y est. Ça a bien marché, est-ce que ça a été rapide, au centre? Oui. Libre tour. Allez, affrontons le têtu. Un ennemi! Je ne m'y attendais point. Ça va. Enfin, on ne sait pas les skills. C'est peut-être pas ça, en fait. On tourne dans le cri de l'âme. Quoi de... Ah, il était faible, ça. Ils sont déjà 10, mais attends, ça monte vite. J'ai envie de tester ça, mais ça veut niquer sa vie. C'est chier, quoi. Là, j'ai envie de tester ça aussi, ça lui nique à sa vie. Après, plus tard. Tu sais que tu es super. Je suis pressé d'en capturer un autre pour savoir quel nom lui met. Alors, cadeau. Mais les objets aussi, c'est au hasard, parce que le baume plus plus, là, à ce level-là... Un peu violent. Le scorpion poison. Cranox. Il y a un style aussi. Ah bah, il n'a pas duré longtemps. Ici, ça aurait pu être un truc marrant. J'aimerais savoir si c'est du multi-exp. Ouais, bon, au pire, je vais capturer plus tard, quand ils seront plus balèzes, c'est tout. Tiens, oui, je suis sur la côte de machin. Faut quitter. Tu quittes, toi. Ah, un autre joueur! Un autre joueur qui commence! Donc, lui, il a un autre truc chelou. Merde, je suis tombé sur eux. Ils font quand même mal hein, pour des trucs qui sont quand même level 2. On a 5 fois plus, mais on sait quand même bien prendre des coups. Il se régène, je peux attaquer. On dirait Cyclope sans Temtem. Ouais, c'est ça, ça ressemble à un truc Cyclope, ouais. Retourner là ? Bah non, du coup, on peut plus retourner. Ah merde ! On va avancer un petit peu. On retournera voir maman pour Eugène. Il y a un truc, un truc caché. Non, il n'y a pas un truc caché. Par contre, il y a des ennemis. Oh, les petits stères. C'est de la merde, on peut les éclater. Une griffe vénéneuse, tiens. Contre des plantes, le poison, ça devrait faire mal. Du combat contre du poison, ça va faire mal aussi. Parfait. Il y a une certaine logique, j'ai pu trouver un truc. Ouais, c'est de la merde. C'est la petite fille.
un truc de départ, ça. Ils ont quand même fait évoluer, mais... Alors, le vénine sur toi. On va te faire un coup de boule à toi. Ça commence à avoir des levels plus hauts, hein. 4 et 3, attention, hein. Ça rigole plus. Je pense que c'est quand même le truc qui lui pose là, l'effet, le dot, est-ce que c'est puissant ou pas? C'est m'attaquer. Merde, j'avais tout passé, c'est pas grave. Ah bon, ouais, là c'est plus logique par rapport à la zone. C'était pour descendre plus vite, d'accord. Bon, moi je suis sûr qu'il y en a d'autres là. Allez, vas-y, vas-y, donne un autre thème qu'on n'a pas vu là. J'étais curieux d'être dans les autres herbes pour savoir ce qu'il y a. Ah non, on tombe sur les mêmes. Pas grave, on va aller en faire d'autres ailleurs. Il y aura des dresseurs. On parle de surf. Il n'est pas à surfer. Mais elle est là-haut. Papa. Qu'est-ce qu'il est devenu l'autre de savoir qu'il était dans le Vélib? Ou alors il a fait un fight, il s'est fait éclater, il dit ouais, je vais changer de team. C'est ça. Qu'on peut ramasser. Hein ? Nous mettre des petits serres partout. Vous allez voir, les arènes, c'est autre chose que Pokémon. Hein. Ça, c'est dur, je me rappelle. Dresseuse. Non, si je disais je sais pas, non mais je fais une autre phrase. Et par l'autre côté, c'est pas un truc que j'ai raté, un objet. Ah putain, y a que de ça là. Y a plus de trucs sympas. Ah oui putain, il a une attaque électrique quoi. Je crois qu'on t'a lancé. Ouh, les petites merdes là qu'on croise, ils ont peut-être des trucs bagnards. Ouais, ça a continué à installer, ça monte super vite, je trouve ça surprenant. On va aller plus loin. On va descendre là non. J'ai bientôt vu. Bon allez, on enchaîne plus loin. Vu qu'on level et que ça redonne de la vie à chaque fois qu'on level, je pense qu'on est tranquille. Et donc là, il y a l'escalade. C'est une compétence qu'on va acquérir au fur et à mesure du jeu avec certains objets. Donc il y a pas des objets qui nous donnent des compétences. Donc on reviendra et on aura deux coffres. Ah, on a les meufs qui nous font un combat duo. Les jumelles. Vous t'avis. Vas-y, balance. Balance la sauce. On sait pas nager, mais on pourra surfer. Oui, qu'est-ce que ça? Oh, le truc marron. Une sorte de crotte. Non, mais franchement, une crotte. Vu que c'est de la roche, une attaque physique, je pense que ça peut faire mal. Un petit coup de boule. Voilà. Oh, la puissance qu'ils ont maintenant. Laisse tomber quoi. Alors, Oshidashi tentait une sorte de
Ah non, tenter une sortie de ring peut s'avérer être une technique pugila dangereuse sur un île trop petit. On va virer qui vive. Ah, ils en ont deux. Ah bah l'insecte poison de tout à l'heure. Oh, et le petit loup. Le petit loup qui a les yeux verrons. Attends, je peux faire Oshidoshi. Ah mais là, ça me tue, là. J'ai plus de vie. Attends, bah, je vais attendre. Peut-être tu vas pouvoir lancer l'image chargée pour une fois. Oh, c'est joli. Ah, un demi. Ah, il résiste à ça, le petit con. Bon, Momo est mort. Adieu, Momo. Salut, allez, Momo. Et tu veux, non, on peut pas en faire rayon aveuglant peut-être. On peut faire rayon aveuglant. Je te propose. Oh, carrément, il vient de l'énergie pure, quoi. De l'énergie pure. Non, ils sont pas bavards. Joue à Genshin. Tu verras le mot bavard. Là, c'est rien, là. Et en plus, c'est pas comme dans Pokémon. Tu peux zapper vite le texte. Ouais, je sais, je suis trop beau. Allez, allez, hop, vas-y. Il y a encore deux titus, je crois, de mémoire. Voilà. En plus, ils s'engueulent avant. Alors, le truc poison et le zozio. Poison contre poison, je sais pas si ce soit bon. Peut-être un peu de poison. On va tester. Mikio tout seul, mais il m'a lancé une force mentale. Oh putain, ça c'est un truc vieux comme ça. Une force aérienne, lui. Putain, ils utilisent tous force, quoi. Tous des Jedi, quoi. Ils ont tous la force. On y croit, lance-moi un boom, sale. Si je les tiens. Je vais gagner 64 par ancien. C'est des pensiles, oui, le nom de la monnaie, je m'en rappelle. C'est qui tu veux, toi. Et un autre joueur. Bah, lui, le petit singe. Tiens, oui, il a fait aussi un personnage black. Je suis pas le seul. Un peu plus gentil que moi. En toi, qui tu veux, en toi, déjà. On est theme card. Donc, pour capturer des Pokémon. Ah, j'en ai 8 dans le sac. Allez, on va en prendre deux autres de plus. Peut-être qu'on se faille. Je sais pas si les thunes sont compliquées encore dans le jeu. Des paumes, ça permet de soigner. Je vais peut-être en prendre un ou deux. Allez, j'en prends 5. J'utilise toutes les thunes, tiens. Peut-être qu'on se fasse avoir. Voilà, c'est soigné. Ah, ou alors je vois celui-ci qui représente. Comme moi, si ça se trouve, quand il voit le mien. Ah merde, j'ai sauté le pas, ce truc. Ah, je me suis fait niquer. Non, si ça se trouve, moi, le mien, en fait, il voit celui de départ. Comme c'est un truc random. Donc, ouais, en fait, c'est peut-être pas ce qu'il a. Ouais, il y a des cartes de capture plus puissantes, des Temtem cartes plus, je crois, c'est le nom. Dans un taux de réussite plus fort. Ouais, c'est sûr, on voit le singe, mais il a pas le singe. Comme moi, c'est sûr, je vois la petite tortue, c'est la tortue le premier. Il m'a fait la perce-volte. J'ai l'impression qu'il m'a verrouillé une attaque. Oh, non, lui, il a un cerf, lui, pardon. Non, lui, on voit un cerf. Ah, mais après, c'est un qui a capturé, c'est pas les deux de départ. Peu que, ouais. Oh, le ver de terre. Mmh.
résistant. C'était bizarre. C'était bizarre. Putain, il m'a foutu un lion. Il bouffe trop de trucs. C'est ça que j'ai eu le cyclope de l'autre, ouais, donc non, ça doit peut-être les voir alors. Mais peut-être c'est pareil, c'en est un qui venait de capturer que lui dans sa partie il avait un cyclope à la place des trucs que moi j'ai dans ma partie. Peut-être le premier qui l'a capturé, tu vois. Je sais pas du coup, je sais pas comment ça marche. Je sais, quelqu'un crée un compte tout de suite et on va aller. En direct. Donne la derme, on va voir s'il y a un truc différent qui pop. Les poissons, alors les poissons il y en a plusieurs couleurs. On dirait que les poissons, je crois qu'ils ont un élément en plus ou un truc comme ça. Et ça, c'est un truc chelou, là, le truc qui sourit. Du poisson sur de l'eau. Du poison sur de l'eau, est-ce que ça marche? Du poison sur du poisson. Ouais, x2. Il est où, mon pote, là? Il est mort? Je l'ai tué? Oh putain, merde. Regardez, j'ai tué mon pote. Merde, au chien. Non, je vais faire rayon bois. Attaque les deux. Bah, je vais le soigner après. Hein. Ça lui a pas fait beaucoup mal. Le repli utilise un défibrillateur. C'est quoi ça? Oui, il s'est fait mal tout seul. Des coups aussi, là. Vite, fuyons! Il y a de l'eau terre partout. Ah, je m'en disais, je me chope un truc. Ah oh, putain, il y a le ninja, il y a l'araignée! L'araignée est numérique. Broustillée, l'araignée. Mais elle évolue pas. Putain, fais chier. Faut de résister là. Putain, ça sent le truc violent, ça. Ah, le mec, il invoque du poison du ciel, quoi. Hypoxie, allez, hop. Oh la vache. Ah, ça lui a fait mal. Ça retourne à rien. De tandem préféré, non, pas spécialement. J'ai joué il y a longtemps, donc non, j'ai pas de truc forcément préféré. Mais je trouvais intéressant, mais. J'aime bien mon duo en tout cas. Les bras fight. Oh le. Le truc chelou là, le cerf, je sais plus ce que c'est. Il évolue pas lui. C'est d'un mal, Valdia. Remarquez qu'une fois il ne sait que ça a changé. Je peux nous sortir comme attaque banger. Une attaque feu ? Flamme de feu? Oh putain, j'ai envie de te prendre. J'ai envie de te capturer. Non, je peux pas. Il a peur d'avoir d'attaque. C'est ça que je me demande. Il nous a lancé une attaque typhon, là, une attaque feu. Ils sont tous pareils. Ou est-ce que celui que tu captures, il aura telle ou telle attaque? Alors, est-ce que tous de cette catégorie-là ont toujours ce skill-là? C'est ça qui est bizarre.
Howard, il a nouveau, il se prend nouveau des dégâts là. Viens farfouiller, voir si les araignées ont aussi encore des attaques feu ou vent. Ça pourrait être pas mal au pire l'araignée. Oh, le rat. Il est stylé le rat. Il a l'air méchant, regardez en plus. Azrat. Oh, c'est d'être électrique le truc. Ah, ouais, des poignées de sable. Tout était rapide. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Revanchard, ça fait des dégâts quand t'es mis KO. Bon, il se repose, l'autre. Non, ça s'offre du même poison. Alors, attends. Voilà, là, c'est un truc avec un combo. Bah, tiens, un combo, justement, avec un sort de Temtem de cristal, donc comme lui. Alors, le petit Thor veut jouer dans son jardin secret. Quand vous allez restaurer 10% de vos PV, puis-je condamner à mort pendant 4 tours. Ils ont un allié, Cristal Jardin, restaure 20% de vos PV, à mort pendant 3 tours. Le 4, d'accord. Ouais, mais je sais pas où le mettre. Je dirais que ciblé, je m'en sers pas mal. Peut-être ça, parce que je peux pas le jouer encore. Combien lui? 28? Ouais. Peut-être mettre à la place d'Oshi Tushi. Voilà, bah j'ai un ordre de Tortellinite. On va voir ce que ça donne. En attente. Il vient de se mettre lui. Bouclier de quartz. Ah, il se bue. Jolie animation. Il a condamné à mort, il a juste attendu des tours, il meurt je crois. Hein. Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va vraiment le condamner à mort comme mort. Je pense quand même que ça doit être ce truc là. Je pense que lui il va nous lancer un combat donc vu que je suis pas trop près. Est-ce qu'il y a d'autres comme Pokémon? Oh putain, notre adversaire, je l'ai pas vu arriver. Détendu en plus. Il est détendu ce gars. Ah, il lance le clown! De l'âme. C'est un combattant karatéka machin. Faites-moi s'ils ont un skill stylé, je vais les prendre là. Maintenant que j'attends des skills. Ça m'a fait éclater. En plus, il ressemble à rien, je trouve. Il est tellement moche. Le rat, j'aime bien. J'aime bien le style. Lui, neutre. Putain, mais ouais, non, ils ont pas les mêmes skills, hein. Ça a l'air d'être le hasard total. Oh putain, lui, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? C'est quoi ça? Visualite, bah, tu t'es fait mal, tu m'étonnes. Non, c'est ça. Moi, j'ai encore tué Wars. Non, c'est bon. Il y a de la vie. J'ai l'impression qu'ils aient les mêmes skills à chaque fois. Moi, je que Wars attaque avant et puis Ness baisse la def, ouais. Ah, les petits rats, par contre, quand ils meurent, ils foutent poison, quoi. Ça peut être pas mal dans une stratégie, ça. Hein. Oh, un truc. Hyper fragrance. Alors là, c'est pour aller au.
le truc, mais on n'a pas le grappin. Il y a un grappin pour aller là-bas. Allez, continuons à fouiller un petit peu les trucs avant d'affronter les ennemis. De droite, pardon. Le retour de l'araignée. Attends, je sors les skills, allez. Au tempo. Lance-nous un skill. Idiot coup de pied. Oh, mais ça change à chaque fois. Ça change à chaque fois, ouais, donc le truc de feu. Non, mais franchement, c'est le hasard, quoi. En gros, si t'aimes, prends-le, mais attends de voir la technique. Ou alors qu'il y ait technique de feu et technique de machin, ça serait abusé. Du coup, j'ai envie de retourner chercher les petits numériques. Ils peuvent peut-être avoir un skill banger. Continuez tant qu'on tient avec cette team-là. Hop. Bonjour, monsieur, dame. Il disait dans l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Oui, je sais, oui, il y a des gens bizarres. Poison reste après la fin du combat. Bah, j'ai l'impression. Non, je pensais plutôt qu'il nous lançait une attaque de poison à la fin. J'ai plutôt cette impression-là. C'est non, poison à la fin du combat, je crois pas. J'ai un doute, ça. Une plante. On va le tuer. Oh, le one shot. Ah non, il y en a un autre. Et là, il lance le rhinocéros. Là, comme c'est du sol, on va taper avec du physique. Ah, il marche... Non, la foudre ne marchera pas. Ah ouais, il en a pris encore plein la gueule. Peut-être qu'il récupère de la vie, en fait, il se rend. Il joue pas le tétan, quoi, il est déguisé, ouais. C'est dingue, hein. Là, par contre, ça reprend un coup dans la gueule. Ouais, regarde, j'ai rien à nouveau. Ouais, non, je peux cliquer, c'est autre chose. Allez, si on en rencontre un autre sympa dans le trajet. Le ninja. J'ai invoqué un truc dans le ciel là qui était monstrueux, le ninja. C'est un combat psy de mémoire. On va temporiser pour voir ce qu'il fait. Encore une femme. Barrière liquide. Ah ouais, carrément, quoi. Le mec, il se crée un bouclier, quoi. Bah, c'est tout aléatoire. Bonjour, nous venons vous affronter. Le cyclope. Ah non, c'est le cyclope. Ah ouais. Ça ressemblait à un mage avec un petit bâton qui a été bas level et quand il évolue, le bâton il est dans son bide. Regardez, il ressort. Le mec s'est trucidé lui-même, quoi. Chelou, celui-ci. Il est stylé le design, je trouve. En fait, l'art après, c'est quand t'as des skills, plusieurs skills, c'est. Des fois, il vaut mieux attaquer une petite attaque qui fait pas trop, mais qui consomme pas trop, pour après mettre le gros sort après puissant. Donc t'as une manière de jouer qui change un peu aussi. Pose-toi un peu. Rayon machin. Ça ne boufferait pas de vie, vas-y. Une petite limaille chargée. Non, ça va te faire du mal. Comment la one-shoté. Alors c'est qui le patron?
Et là, il y en a des nouveaux. Il y a de nouveaux. Ah oh Zephyrite. Ça, c'est un bon, ça. Zephyrite, pardon, pas Zephyrite. Il y a un nom de merde. Poison vol, je crois. Eh ben Zephyri, c'est de la merde. Super ultra efficace x4. Ah bah il a pris un smoothie. Un autre Zephyri. Un mal cette fois. Je vais quand même voir une attaque ou non. Ah. Il a résisté lui. C'est vraiment... Et qui tu nous fais ? Et il se repose le con. Putain, non, on va se reposer aussi alors. Lance-nous une attaque, on va voir ce que tu fais. Ultrason. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Tellement nul. Non, tu mérites pas d'être dans ma team. Nous, on veut que des Pokémon stylés, donc c'est tout. Tu es avec du poison, ouais, ton élément, ouais, j'ai même pas peur. Voilà. Ils vont être level 20 avant. On finit tellement vite. Encore, mais y'a que de ça dans le coin, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas un délire qui nous court, on peut plus les contrôler quand ils sont trop au level. C'est encore parce qu'il y a toujours en fait dans chaque zone, il y a toujours un plus rare que les autres. Ça va bien pas au bout d'un moment. Ah, c'était peut-être sa cul. Merde, j'aurais dû attaquer le poison. Et puis on change de zone. Encore toi ! Trop marrant moi comme oiseau. Oiseau préhistorique. Bonjour, nous voulons vous affronter. Et bien sûr que j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Ah, le canard. Et au combat de mémoire, donc le poison va peut-être lui faire du mal. Ouf. Une attaque pugilesque. Il est caché. Oui, il est caché. Il ne peut pas passer dans le tableau. Doucement. Bon. Il est au bord de l'eau là. On voit qu'on va en emporter deux. Allez. Je vais attendre avant de faire juste l'herbe. Oh le rhinocéros! On se tente le rhino? Faut voir les skills. Ouais, laissez-nous taper. C'est stylé ça d'avoir un gros rhino. Me lancer ? Utilise fouet dans un cul ? Blouse ? Non, essaye.
Le son skill. Hein. Vers l'âme. Ah oui, ça fait mal même. Hein. Est-ce qu'on se le tente? Il faut pas qu'on le tue. Bah non, toi, tape pas du coup. Ah, on peut quand même le descendre. Je pense qu'il est bas level. Oh, c'est pas comme dingue ces sorts. Vers l'âme et le fouet, ah, je sais pas. Ah, peut-être prendre autre chose. Parce qu'après tout, j'ai déjà de la roche. Ah, allez, on va te tuer. Ouh, j'ai un autre. Non, on va te tuer que ça. Ça va pas tuer. J'ai Gradient Board. Je vais prendre de la bouffe. Je vais me soigner parce que je peux aller refaire le tour. Ouais, ça devrait soigner, mais bon. J'aurais dû prendre le petit là qui soignait le petit numérique là. Je le prendrai pas que ça m'a fait un soigneur. C'est ça. Il y a des gens proches. Ah bon, je sais pas. Comment ça marche hein, c'est pas ça. Putain, je vais y arriver. Non. Voilà. Je suis arrivé au bout d'un moment. Sac à dos. Merde. Mauvaise touche. Sac à dos. Boum. Avec ça en vie, ça doit être sûr pour les petits cons. Là. Non, ça va éclater la gueule. On n'a pas les deux en même temps? Si. Ils sont de soigneurs. Oh, il a un petit truc qui est trop mimi. Que je sais pas ce que c'est, mais c'est mimi. Petit poney, là. Dans toutes tes plantes, donc poison. Ouais, t'es mimi, donc un coup physique, ça doit te faire mal. Hey, Kinyu, Reeves! Ah, bon. Ah, costaud, le petit truc chelou, là. Massage douloureux. Oh, ouais, carrément, quoi. Repose-toi un peu, d'accord. Intel, il va pas se fatiguer. Rayon aveuglant. Attention, les tous, ils vont me bouffer. Bon, alors, on va attendre. Renforcement, cette technique de renforcement octroie attaque à la cible, ne néglige pas les protéines dresseurs. Non, je veux pas. Que du tout pour taper, moi. Némi. Double rhino. Bah, faut pas perdre de temps, là, on est là, pour avancer vite. Qu'est-ce qu'il y a dans cette hauteur? Qu'est-ce qu'il y a? Le nounours qui a une gueule pas possible. Ah, il est tellement moche. Il est moche, le nounours. Yola. On va tuer au moins lui. Un coup quand même le nounours va. Et le nounours lance un coup. C'est un truc boomerang. Ouais. Ça va faire une chose. Et
Non, c'est autre chose. Attaque électrique. Dernier. Ouais, c'est la ville avec la reine. Ah oui, avant il y a l'école, je crois. Il y a un truc de quête. Grenouneur tout seul. On a des petits sorts pour que tu lances une attaque, Grenouneur. Essaye de survivre. Grenouneur, c'est mort. Dommage pour Grenounours. Alors qui tu es toi? Right. Non. Un insecte ça va lui faire mal. Un cri de lame ça va lui faire mal. Juste. Comment fait mal. Là, je dis surtout du physique et puis du poison et ça passe quoi. Oui, mais toi forcément. Oui, c'est que j'avais plus de ski donc forcément tu l'avais. J'ai voulu montrer une capture, mais je voudrais en trouver un bien, quoi. Un truc, tu sais, qu'on se dit... Oh, putain, merde, la vache, le truc de banger de la mort qui tue, quoi. Ou juste un skill, tu vois, qui soit sympa. Et des choses. Je voulais parler à l'autre là, de mémoire. Oh non, il nous donne un paro, j'en veux pas. J'en veux pas, il est moche. Mais s'il est un partout, il est rempli. C'est pour le donner à l'autre. J'espère, hein, prends-le, j'en veux pas. Non, s'il te plaît, mon chagrin, bah non. Ah bah voilà, ils sont là. Il a pécho, c'est bon. Enfin, ils ont pécho. Voilà, donc on voit que le professeur et l'autre sont là. Bonjour. Voilà la championne. Elle est mignonne, la championne. Hein. Regardez-moi ces besseries ravageurs. Ouais, je crois que j'ai rendu ce qu'il m'a donné. J'ai pas trop compris le délire, c'est pour ça que j'ai dit... Hein. Nous fait visite, voilà, ça c'est la boutique, voilà, tu peux venir la faire chier. Là, la robe fournée, on voit son slip, hein, je veux pas dire, mais il est bizarre sa robe derrière. C'est quoi cette tenue? Non, c'est un short. Mais c'est quand même bizarre comme tenue. Ah, là, c'est l'école, voilà, là c'est. Là, c'est la route d'après, non, là c'est l'arène, voilà, là c'est. Voilà. Là, c'est la route d'après, voilà, et puis. Puis casse-toi, quoi. Elle sonne, faut aller à l'école. Je crois que quand j'essaie d'aller plus loin, je suis emmerdé, voilà. Bah genre main, tu ne peux pas y aller. Mec, c'est un punk. Moi, comme j'ai pas parlé de tous les pergis dans toutes les maisons, ça va être déjà peut-être un peu chiant. Va loin.
Ah, ça, c'est un port, hein. Tu peux garder des bateaux. Hein. Je récupère une fiole de Thumès machin. Incendie sur la tête, fais gaffe. Hein. Un peu chelou. Et là. Bonjour. Non. Non plus. Et on peut même faire sa maison, regarde, avec un petit coin pour ses temtem. Genre, regardez, il a fait. Mais dégage, toi. Fous dans la paix, va-t'en. Putain, il veut pas, arrête. On a gagné un truc. Regardez, il a fait un petit panier pour son temtem. C'est un truc de filou, ce perso. J'ai fait un personnage black, il n'y en avait pas dans le jeu. Un truc de filou. Maison qu'on aura le truc pour nager. Il y a chier les gamines de notre qui ont envie. L'Académia, voilà, c'est l'école. Il y a des quêtes en plus. Des poubelles, quelque chose. Les poubelles, toujours les poubelles. Les choux, ce prof chauve. Il y en a une là. Les poubelles, toujours les poubelles. Le chelou, encore une poubelle. Cette classe avec le truc décalé là. Une classe pour 3. C'est une classe pour 2. Il y en a une autre là. Ça va. Je louche t'école. Hé, hey, Terramon ! Reste là, t'auras peut-être le nom d'un prochain temtem. Jamais. Bon bah, pas pour faut aller, faut aller à l'abouti. C'est un vieux, ça, ça se sent. Tellement voûté. C'est pas là encore qu'il y a l'arrêt, du coup, ouais. C'est de la boutique, mince. Qui tu veux, toi? M'intéresse. Ah merde. Voilà, je mets en place mon thème deck. La grande stem card, boom, éther, on s'en fout. Mais sortir. Quand je t'ai acheté des boom. Ouais, j'en ai pris 17 tout à l'heure. Non, je vais pas t'en acheter. Allez, dégage. Bonjour. Je voudrais gagner au loto. Voilà. Je lui fais le même texte en fait. Oui, merci. C'est là qui donne le truc. Assistant de thème sur. Ça pourrait être ça. Donne la merde. Donne le truc. Putain. Oui. Ouais. Oui. Obtenez une fiole de témescence chez Louis Souvenir. Bon, il est où Louis Souvenir du coup? On a tout fait là. On a tout fait. Il y a des gens chelous là. J'ai pas vu. Ah oui, je crois qu'il y en a un seul. Voilà. Il y a trop, putain. Il y a un truc avec un PNJ là, je me rappelle. Je vais rentrer chez lui, il me semble. C'est ce qui est chiant quand tu lis pas les quêtes. C'est marrant. Ouais, c'est pas mal, allez hop.
Sif et Régis, Brissal. C'est Brissal là où on est? Même pas. On s'est passé vite. Je sais pas où on est, ça. Je regarde l'entrée de la ville, je vais les voir. Ah putain, c'était le premier le souvenir. Ma maison. Oui, je sais que j'ai plus 15 fois sur le truc. Putain, trop vite. Il est vénère mon Pokémon. Le gros là, tu trouves qu'il est vénère? C'est Lunes, il s'appelle. J'ai dit depuis qu'il joue le rôle de Sampo, là, il a pris un coup, hein, Lunes. Bon, là, quand on a un vide. Et c'est Bruxelles Delmar. Faut que je trouve Youssouf et Roger. Putain, je viens de parler à tous les PNJ, ils sont pas. Et donne-moi mon thème machin là, toi. Voilà, fiole de thème essence. Dis-vous dojo. Arisso là, donc c'est la ville d'après. Je pense que je trouve les autres là. Ça me fait chier, ils sont où, Brissal et Youssouf et machin? Il y a tout le monde, c'est ce que j'ai vu au début. Ça fait chier. Alors c'est ceux qui sont sur le port. Je comment t'as pris Youssouf, non? Allez, on recherche vite fait les deux PNJ et puis après on part. Ça va être comment t'as... Zara. À l'école au moins, non? Sinon chelou, en fait, je viens de remarquer les noms du jeu. Je vais voir les matériaux avant le loot. Ça va m'attendre 3 semaines, quoi. Mais il y a une maison, là, j'ai pas vu. Je suis dans une maison, en fait. Épuisé, putain, moi aussi je suis épuisé, je m'assois, le mec qui s'installe chez lui. Non, c'était papy ça. La plage. Oula non, j'ai mis un camp. Regarde. Et comment toi? Personne de grave, non, je passe pas. Dégage! Où j'y aille? Non, c'est par là pour lui. Non, mais il y a ce qui est là, il y a l'autre qui est. Ah. Hello. Il y a Tina. Ils doivent pas être là, il faut voir, c'est des mecs de l'école. Yeah. Non, relance pas! Hein. Emplacement, c'était ensemble Pokémon? Quels emplacements? Il y a le dojo de Sophia et après à Danga, trouver l'Unisot Tech, de réclamer des emplacements. Oui, mais ouais, mais ça, c'est à chaque ville en fait. C'est beaucoup plus loin. Et là, moi, je vais faire les gamins disparus. Tous les gamins disparus. Ils sont pas dans la ville. Pourtant, ils ont marqué à Brissal, donc j'aurais pensé que oui. L'étage, il n'y en avait pas donc. Ah, mais c'est elle qui, je crois, qui nous a demandé les gamins là, non? On repose du requête. Hein. Des gamins, on verra bien. Quoique, attendez, il y a le gamin qui était chez ses parents. Peut-être que c'est lui. C'est ça la maison des parents? Appelle-toi.
Adorable petite. Et lui, c'est Chenapan. Petite peste, d'accord. Est-ce qu'il vient rechercher, les gars? Vous avez baptisé vos enfants? Oh, à moins qu'ils soient dans le temps, les enfants. Chineur, arrête de chiner. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là? Oh! Un trop chelou! Il est moche. Attends, un électrique, putain, j'ai pas choqué des électriques. Direct. Et Caillou Roche, ça se voit en même temps. Ça ressemble plutôt, il doit y en avoir un autre différent quand même. Ah, le lézard, c'était le bébé lézard. Ah oui, il est marrant le lézard. Ah oui, carrément, frappe Mars. Lézard, il fait quoi? Boule là-dedans. Ça pue un peu ce que t'as fait là, le lézard. Déçu. Je l'aurais pris, je l'aurais appelé Bafalux, c'est un lézard. Ah d'accord, il veut pas être pris. Il veut pas être pris, c'est tout. Baston. Ah mais personne ne veut se battre dans ce monde. Où est le têtu? Bon, attends, là on va vite parce que c'est vrai que la team est un peu puissante. Vous en pensez quoi déjà du jeu? Vous trouvez ça comment? Déjà du peu que vous voyez là. Vous trouvez que ça peut être intéressant? C'est là, il y en a. Combat double chacun d'un côté. Allez, go. Là, il y en a un plus rare. Il y a le lion, là. Le lion, il est beau. Il dirait mon chat quand il se tient debout avec ses grosses bajoues, là. Alors, c'est moi le plus bas. Cri de l'âme. Le... Oh, Rekan, t'as résisté. Sur lui, t'as pas le temps. Bah, c'est pas trop long à jouer. Hein. C'est un petit MMO qui demande pas de farmer, tu vois, d'être connecté tous les jours. Là, c'est vraiment les MMO friendly, quoi. C'est ça qui est cool. Ah, mais à chaque fois, c'est du bout de la vie. Adieu, petit lion. Bon, deux autres. J'avais pas vu. Balancer deux autres là, vas-y, vas-y, balance la sauce. Ouh, y'en a qui a assassiné. Il est l'autre là. Oh, si ça trouve, c'était le truc qui était moche comme un pou là. Ça devient ça, c'est stylé. Oh putain, si c'était le gamin qui ressemblait à rien, j'ai envie d'aller le rechercher. La montre religieuse aussi, j'aime bien la montre religieuse de. Machin, putain, mais ça va bouffer trop de vie. On va faire patienter tous les deux. Oh, carrément, elle a les chaînes de l'autre de feu, quoi. C'est une excellente moment, je trouve, ça fait trop stylé, ça fait genre, attention, tu vas chier quand je vais t'affronter. Mal, oh putain, voilà, ça peut être délire. Attends encore un tour. Et du coup, voilà, putain, on peut rien faire du tout, voilà. Attends un tour. Si j'avais que je mélangeais un sécateur, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense, tu vas voir, ça t'éclaterait 10 fois plus, parce que là, c'est du vrai poker, c'est du vrai fight, quoi.
En plus, le côté, tu connais pas les teams, tu découvres, c'est vachement plaisant de faire un jeu Pokémon quand tu découvres. Jardin de Tonitrite, allez, je le fais. Là, est-ce qu'on peut faire une image chargée? Bah non, toujours pas. Et lui. Il nous a endormi, j'avais pas vu qu'il nous avait endormi. Il a l'air d'être balade ce mois là. J'en vois un, je le chope. Bon ça les gars, de demain c'est fini le live. Mais non, bah, je vais encore au moins jusqu'à minuit. Oh putain, il reste, on est bientôt à minuit. Je vais au moins vous emmener la première reine pour que vous découvriez. On va foncer là, arrêtez de perdre du temps. Moi je vais continuer cette team là, parce que c'est marrant jouer. En fait, c'est plus marrant en mode random. Je m'en doutais donc que le random serait pour être standard. Et bim. Tour là, puis après redescendre. Ni pour remonter. Oh le rhino, merde. Ah, vu qu'ils sont fait dodo dans le jeu. Ah d'accord. J'avais pas compris. Oh, allez, on va remonter quand même. Ah putain, j'y arrivais. C'est le Tempédi qui peut soigner aussi, mais bon. Non, c'est pas le Tempédi, c'est... Ah, c'est le truc à la fin, là. La piole de témescence. Et des objets, plutôt. Et de revenir en arrière. Affrontons-nous! Lui, il lui fait des mains. Ça freine pas! Alors, le Cisaillac, c'est. Oh putain, le même que le mien! Combat de grosse brute. Par contre, l'évolution de celui-ci, c'est vrai que ça fait un peu. Tiens, je remonte deux secondes. Ça fait quand même un peu chelou, quoi. Ça fait vraiment très Pokémon, l'évolution de Grolize. Parce qu'attendez, avant, regardez, voilà, c'était cette petite chose-là. Hein? Évoluer en cette petite chose-là. Donc là, on comprend encore le logique d'évolution. Mais là, regardez, à part le côté qu'il a des gros bras, qu'il a un sourire un peu farceur. C'est bizarre, quoi. On retrouve plus trop l'évolution, quoi. Un peu chelou. Allez. Merde, j'ai pris quoi? Oui, du poison, tiens. Le surgement du physique. Bah ça va. Ah, on est mort à l'utiliser. Le fait qu'il perde de la vie, franchement, je trouve que c'est un bon plan. Ça m'a un côté stratégique, il était pas emmerdé pour les points de compétence, il peut toujours farmer. Ah mince. Ouais, ça ressemble plus. Hein. Ça devient un peu comme Digimon, tu sais, tu commences, ça ressemble à un dinosaure, ça évolue en machine à laver. Et d'accord. Merci, il y a des cheveux et puis il y a l'oiseau.
préparer l'ellipsie. Normalement, le fusil va lui faire mal. Ou t'as que les cheveux, je sais pas. Oui, il y a cri de lame. C'est pas Bonaparte, c'est Bonapi. Un autre. Ah bah oui, là, t'as la collection automne-hiver ou quoi, là ? Mieux résister. C'est un gros lapin qui peut voler avec des oreilles, qui devient à la fin un noble avec un casque qui fait de l'escrime. Ah ouais ? J'ai pas vu ceci. Je vais essayer demain, on bosse. Bonne fin de soirée, bonne nuit à vous. C'est vrai que demain c'est vendredi, c'est pas l'heure. C'est pas samedi. Demain, ouais, on se retrouve pour le live. Officiel. Moi demain j'ai une réchange, je vais être levé à 8h. Je vais être crevé encore demain, je pense. D'herbe là. Araignée scorpion de trucs chelous. Le coup que t'es poison peut peut-être pas servir à grand chose. Si tu as dodo, oh, vous arrêtez les gars. J'arrive à la première arène, mais en fait il y a quand même du trajet encore. Hein. Je crois qu'il y a autant de trucs. Attention. Ah voilà la petite bestiole. Ah c'est lui qui est voulu. Comment il s'appelle? Bonne nuit, bonne nuit. Il s'appelle Shaolite. 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 Ok. Shaolite. Shaolite. Ah non, il est voulu en un truc encore plus moche. Voilà ce qu'il faut commencer comme lézard. Il est moche. Moche. Je suis pas fan. Pas plus combat donc j'ai déjà. Oh continue. C'est des combats, on va t'envoyer des poisons. Et on va t'envoyer un coup de boule. M'attaque. Qu'est-ce qu'elle a mamie? Ah là, le petit renard qui est mignon. Mignon, petit renard. Elle a le fameux canard laqué. Ils font vraiment bien, je trouve, bestioles, Pokémon et tout. On le délire. Il a verrouillé son cœur, je pense que ça veut dire.
one shot. Irridation, putain, il m'a brûlé l'enculé. Il m'a brûlé le petit con. Le feu il garde pour les combats d'après, d'accord. Donc ici les autres restent bien. Une boîte mon père chercher tant qu'on n'a pas de sang. Les gens chelous là qu'on peut affronter. Combattant stylé. Et le char. C'est un chat numérique. Avec la souris, ça ferait pas mal. Et le chat, la souris, il manque plus que le chien. Bah, on dirait le chien, justement, le boxeur là. Lui, ça déjà, ils sont plus au level, ceux-là. Oh, ils sont plus résistants. Bien battu les gars, les puissants. Les plus puissants ennemis que j'ai rencontrés. Y'a quoi dans la zombie? Faut te souvenir, c'est trop joli. J'ai été pas moi quand j'ai fait le jeu. J'ai bloqué après. T'as tout montré tous les objets que tu peux avoir. Voilà. Non. Non, on vient, c'est juste que c'est un effet. Ok. Rien méchant. Il est mort le sien ? Ah non, c'est un tofu que. Terre, je crois. Mais moins de voilà quoi, il évoluait l'autre de tout à l'heure, le petit là. J'ai hésité. Bon, tous les deux. Merde, il passe en furtif, il va rater l'attaque qui coûte le plus d'énergie. D'approbation. Quasiment tué. Ah puis j'ai des flammes, il va regarder plein de lui.
Il en perd beaucoup, mais ouais, mais c'est les chances qu'il la repère, il regagne avant. Je crois que ça va être stratégique aussi. Il y en a encore un autre. Nestlé. Oh, le foudreux haut. Du poison. J'ai pas eu forcément. Soigner l'équipe. Encore un dresseur chelou. Je ferai des skins de perso parce que pour moi, il y a quasiment pas de personnages black, justement, ça m'avait choqué à l'époque. Non, l'autre aussi de droite. Ça, c'est sûr, t'es physique. Et ça. T'es roche, donc je t'envoie un physique. Il est résistant, le bout. Hyper fréquent. Putain, il y a une tache plante lui. Le Pokémon qui est là, voilà le Temtem, pardon. Des petits lapinous! Qui pourrait être marrant. Non. Mais non. Il est trop moche. Non, non. On ne prendra pas. Fragrance trouvée. Tantistique, ils ont quand même bien réussi à se démarquer de Pokémon. Ouais, je trouve. Le style du jeu, je trouve pas. Oh, là, bah, voilà les arcs que je voulais. Celui qui s'appellera Bafal. Donc lui, je le capture à coup sûr. Et je le trouve stylé en design, original. Mais c'est un petit côté blasé, j'aime bien. On tape que lui. Je sais pas ce qu'il fait, par contre. Ah, c'est encore une femelle. Merde, c'est chier. Où j'attends et je vais le raffronter. Ouais, je vais le raffronter. C'est qu'il y en a là. Vas-y, on peut voir tes skills avant quand même. Et toi, on s'en fout, toi. Ils vont pourri.
Ouais, griffer, c'est un peu pourri quand même. Que ça nous proposait rayon aveuglant. Tu fais les cornes volantes avant? Je l'avais testé, moi j'avais pas trop aimé. C'est vrai que moi j'adore, c'est quand ils nous sont révélés petit à petit avec la sortie, tu vois, des évolutions de sorte. Tu fais, oh putain, lui il a une évolution en fait, lui non. Du coup, ça a redonné de l'envie à jouer certains. C'est vrai, moi dans Pokémon, souvent ce que je fais, je regarde quand même les évolutions, voir s'ils vont me plaire à la fin. Je joue un peu quand même sur le côté skin. Oh là, voilà le moche. Voilà le moche. Bon, je vois mon lézard, mais en mieux. Voilà, c'est d'autres trucs. C'est un travaux et c'est toujours un travaux. J'avais construit un truc, d'accord. Je pensais justement que ce serait un truc de la bêta, enfin un truc pas fini. Donc on essaie le délire. Ah, c'était un rare le truc. Le tout dernier Pokémon sorti ouais, par contre j'ai pas fait les DLC. Moi je trouve ça abusé de vendre des trucs comme ça. Il n'y a pas assez de contenu pour payer le DLC. C'est moins cher, ouais, mais... De toute façon, moi, j'avoue, ça me dégoûte. Par contre, c'était fun à faire. C'était intéressant, mais... Tellement à des années-lumière de ce qui se fait. Tellement pourri. En fait, quand tu compares à ça, tu dis, mais c'est tellement pourri. Et sur ça, pour moi, Nintendo, ils veulent pas... Enfin, pas Nintendo, Game Freaks. Ils veulent pas être un plus gros studio, mais il n'y a pas le choix. Quand t'as la licence la plus lucrative du monde du jeu vidéo, tu dois investir. Faut arrêter de dire, on fait un truc à taille humaine, quoi. Bon, faut investir au bout d'un moment, puis c'est tout, quoi. Moi j'avoue les Pokémon m'ont un peu dégoûté quoi. Ah là c'est un mal. J'ai envie de voir ce qu'il fait donc. On va temporiser. Il se repose aussi ce con. Il se repose aussi alors. Oh là. C'était joli! J'ai mal tout seul. Du coup, il s'est fait mal tout seul. C'est impressionnant ça. Allez! On va le capturer. C'est pas du tout ce qu'il attend. Je vais quand même aller voir ce qu'il fait. Jamais, c'est rond de la merde. Hop. C'est bien, je sais plus si c'est ça. Il y a un petit truc qui ressemble. Bah là, tiens, le voilà. Cycrox. Ah, il est numérique et toxique. Ah bah parfait, en plus, c'est cool ça comme truc. Intéressant. En stade, par contre, il a pas des stats d'avoir des stats de fou. Il y a un peu en défense spéciale, en attaque spéciale. Ah si, quand même. Ah, parfait, en plus, parfait. Alors. Oui, ma souris, voilà. Donc, theme card. Voilà la capture, vous l'aurez vu enfin dans la vidéo. Ah, ça a raté. Ah ouais, c'est sûr, ils ont le même taux de capture difficulté. Ah oh, putain, c'est vrai, je disais, voilà les cartes. D'avoir la même difficulté de capture. Qu'il est pas très affaibli aussi. C'est que j'ai peur de le flinguer, moi. On va attendre qu'il nous tape. Il va se blesser tout seul. Ah ouais, grêle tranchante, oui, il a des bons trucs. Faut pas blistu ce con. Un coup de carte. J'adorais les gens d'Arceus. Ah non, ça je l'ai pas tenté du tout les gens d'Arceus. Apparemment ouais le principe d'histoire était pas mal, mais moi c'est vraiment le côté. Moi en fait c'est ça, c'est que les jeux, je trouve ça tellement abusé ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, tu y attends. Un neurotoxique, je crois que c'est le truc qui le régénère. T'étais infligé empoisonné à sa cible et tu subis un condamné. Bon. La place. Ah non, c'est encore mieux. Donc une fois par combat. Monstrueux. Alors on va le renommer. Bon bah vu qu'il ressemble à un petit lézard, mon logo de chaîne c'est un petit lézard, je vais l'appeler Bafale hein, forcément. Ce sera le fameux Bafale. Et voilà, il intègre l'équipe.
Tiens, un autre joueur, deux autres joueurs. Il y en a un qui fait une petite fille effarouchée vu comment il court. C'est vrai qu'on pouvait choisir les poses de course et tout ça. Bah la pré-évolution, non. Donc est-ce que le troisième va gagner de l'XP, c'est ça qu'on va voir. Non, le troisième gagne pas d'XP. On va changer. Ça, par contre, c'est con. Quand t'es habitué maintenant d'un Pokémon à gagner double d'XP. Un peu gênant. Ah, marrant comment il se déplace. Ses skills réellement. Ah oh, putain, c'est une attaque en 3 tours, c'est pour ça qu'il est attaqué au départ. 130 de dégâts, la vache, ninjutsu, l'art secret. La vache. Et tout, c'est ouais, mais ça, c'est compliqué. Et taillade cinglante. Oh, il a 3 des attaques les plus puissantes. Quand il a rien pour attaquer au premier tour, quoi. Bon, il compte sur l'autre, quoi. Force tranquille. Merde, un combat double avec lui, ça peut être tendu. Là. Le truc. Un coup discret. Ah, des lances plusieurs. C'est mal. Oh oui, ça doit consommer trop, c'est 150, bah oui. Les skills, en fait, il est trop bas level, faut pas qu'on compte. Il va se tuer tout seul. Oh putain, le croco. Oh délire, faudrait que j'ai un croco aussi. Donc toi. En plus, tu vois, non, c'est ta grosse attaque, mais là, il consomme trop. 23. Ah si. Bon, il va crever. On va changer. Je vais rechercher Nest. C'est toi, on va attendre. Sors le croco. Merde. Je vais tisser le truc. Bonce.
J'adore comme il bondit le lézard. Oh, voilà vous. Les blizzards. Ah putain, mais c'est encore une attaque de deux. Putain, mais sans... Mais il a que des attaques banger. Putain, il a que des attaques super violentes. Abusé ce Pokémon. Mais j'ai pas un Barnes-y. On a aucun son. Ça doit être l'autre qui considère que c'est Barnes-y. Oh, moi j'ai obtenu un truc. Et un skim. Il va être l'un des plus puissants là, le violet. Avec ses attaques banger. Faut juste que je trouve une petite attaque pour m'engager. C'est 17, c'est bon, coup de doigt, ça peut le tuer. Pas fait mal non plus. Et je peux faire des trucs plus puissants. Mais là, ça lui bouffe la vie. Attends. Tu es salaud, va. Ça le tue pas, ça. Je vais attendre. Donc on est à la ville, c'est de la reine en fait. Mais je pense pas qu'on va la faire parce que ça serait trop long. Faut un peu plus de trucs sinon on pourrait faire des allers-retours. Faut pas monter lui.
Voilà la reine. Oui, Sophia, apparemment, elle est partie. Bombe fumigène, c'est pour aller plus dans les zones. On va prendre 3, 4, ouais. Pas grand, ça peut. Ça c'est pour quitter vite un truc, c'est vrai. C'est ça qui est dans le milieu d'ennemis. Une carte, bon, on va en acheter plein du coup. Il y a un coffre pour planquer des trucs, chercher quoi. Un joueur. Chez les gens, rapidement. Non, ça c'est un peu logique, mais pour le frigo, il serait été 10 fois mieux là. Alors vraiment dans l'angle, après tout. Un tri sélectif, putain, il a congé lui quand même. Pas la télé, mais il a la musique. Si je t'ai eu. Il y a pas une phrase. Il est trop vite. Mais en visité. C'est son lit ça. Comme ça. Il n'y a pas de cuisine, il mange pas. Ils ont des trucs bizarres. Bateau pour aller dans d'autres mondes. Comme ça qu'on voyage d'île en île. Un PNJ. Restant à l'étage.
un hôtel, moi. Oui, hôtel restaurant. Putain, c'est chelou. Je m'en rappelle pas, ça. Je crois que c'est des maisons que j'ai rajoutées après. C'est un zombie. Mais... Allez, 55, on va faire un petit bout de la peine si on peut, mais... musique pour acheter des fringues. Déjà partir, mais on peut pas affronter la reine. Je me rappelle plus comme ça. Plus du tout. J'ai fouillé toute la ville, hein. Si, je crois qu'elle est au truc de l'œuf, là. Je vais régénérer mes trucs, là. Il y a eu bien un truc pour se régénérer, là. Oui, c'est déjà. Je les erreurs. Je descends donc non. Je crois qu'il était là mais non. Non donc si on peut pas aller sur la reine, ça veut dire que je continue à aller dans la ville d'après. Non putain mais il y avait je crois pas. J'ai vu le chat qui était devant, désolé. Bah, si c'est ça, on va pas pouvoir découvrir la reine, il y a trop de trucs à faire à côté quoi. Comme ça, non, faut qu'on continue dans l'histoire. Ouais c'est marqué un peu chercher Sophia au-delà des ponts offerts. Bon, on va arrêter du coup la découverte là. Vous aurez découvert un magnifique Baphal qui me suit en courant et en planant. Au pire, j'en ferai peut-être un autre truc pour me marrer. Mais je pense que je vais continuer parce que c'est marrant. C'est marrant avec les trucs au hasard. Et puis, bah oui, c'était marrant de découvrir ces petits personnages-là avec leur sort au hasard. On remonte la team pour finir. Baphal, Luneste et Wars. Bon, Luneste arrive. Baphal est arrivé en dernier. Hein. Luneste était le premier. Hein. Et ils sont puissants, mais c'est vrai qu'ils ont des skills. Par contre, à la Baphal, il va avoir des skills au level, lui. Ouh, ça va faire mal. Donc, on va arrêter là. C'était vraiment une petite découverte pour tous. Je vais donc vous la repartager sur les réseaux. Pour ceux qui sont sortis, je la repartagerai sur YouTube. En mode vidéo normal. Mais il faudra que je prenne le temps de le faire. Et voilà, c'était vous montrer un petit peu ce qui existait comme autre jeu que Palworld. Et puis surtout montrer vraiment un jeu à la Pokémon, mais en version MMO, et qui était assez sympa. Et. Qui peut être un bon petit jeu solo à découvrir et puis avec des petits contenus pour y revenir de temps en temps. Voilà un petit peu le jeu donc.